2018 à 19h30, ici même à l'édifice Louis Lepage, de la ville de Terrebonne, la séance ordinaire du conseil municipal. Tout d'abord, écoutez, avant de débuter la séance du conseil municipal, nous recevons ce soir une équipe de hockey, les pionnières de Lanaudière, qu'on va honorer avant le démarrage de cette séance du conseil municipal. Alors, je vais m'avancer à l'avant, donc, pour vous présenter l'ensemble de cette équipe midget qui ont participé au dernier championnat canadien. Alors, donc, la séance du conseil va d'abord s'ouvrir là, sur ce point. Alors, je m'avance à l'avant, là, donc, bienvenue à tous. Alors, bonsoir à tous. Je m'avance à l'avant parce que je trouve ça fatigant de vous parler. J'ai l'impression d'être à 10 km de vous tous. Alors, on est, avant de débuter la séance du conseil, la ville de Terrebonne aimerait prendre un moment afin de souligner nos grandes gagnantes d'une médaille de bronze des pionnières de Lanaudière de Midget 2A, remportée lors de la Coupe SO, un championnat national qui regroupait 6 équipes d'un peu partout au pays, qui se déroulait récemment en Nouvelle-Écosse à la fin du mois d'avril. Avec une victoire de 2-1 contre les Canadettes de Brampton, les jeunes filles de 14-15 ans de la région, de chez nous, ont réalisé tout un exploit en devenant la troisième équipe seulement au Québec à remporter une médaille dans ce tournoi depuis 2009. De plus, on parle beaucoup depuis les dernières années de la faible représentation de nos filles dans les différents domaines sportifs, surtout les sports d'équipe. Alors, de voir une équipe gagner, donc réaliser l'équipe de filles de 14 et 15 ans, c'est pour nous, pour toute la région Lanaudière, mais aussi pour les gens de Terrebonne, une très grande fierté. Les filles, nous croyons fermement à la ville de Terrebonne en l'importance de souligner le dépassement de soi, la persévérance et la détermination. Et nous ne voulons donc profiter de cette séance du conseil municipal pour saluer et honorer les joueuses de notre municipalité, mais aussi de toute la région, qui ont donc soutenu cette équipe. Car une victoire, c'est une équipe qui se gagne en équipe. Vous êtes inspirantes et je sais que tous les parents d'enfants qui jouent au hockey en ce moment et qui nous écoutent sont certainement, et tout comme moi, fort heureux de votre gain lors de ce championnat. Nous souhaitons aussi inviter votre personnel d'entraîneur qui vous a accompagné vers l'obtention de cette médaille de bronze. C'est important de créer un environnement favorable, mais de voir des bénévoles s'impliquer ainsi auprès de jeunes filles et que celles-ci demeurent motivées et en toute confiance. Eh bien, je pense à vous, honore tous et chacun. Nous avons beaucoup de gens dans la salle et la séance est web diffusée, donc je salue les gens pour qu'ils nous suivent. Je vais maintenant m'adresser à tous les parents, dont les enfants, d'autant plus que ce sont de jeunes femmes, jeunes filles qui pratiquent un sport de compétition. Les pionnières, c'est une équipe, hein, vous savez, on commence tout jeune. Je sais, ma propre fille joue au hockey, donc je suis moi-même, j'ai l'occasion de régulièrement voir les équipes féminines affronter nos équipes dans la région. Alors, je veux saluer l'équipe, mais surtout souligner votre persévérance d'année en année, parce que plusieurs d'entre vous jouaient au hockey depuis plusieurs années. Les pionnières, j'ai lu un article et une de vos joueuses disait que vous alliez vous en souvenir longtemps de ce championnat et de cette expérience. Eh bien, nous aussi, nous voulons nous souvenir de vous longtemps et c'est pourquoi, à titre de maire de Terrebonne et au nom de mes collègues du conseil municipal et de l'ensemble de la population de la ville de Terrebonne, je vous invite à inscrire votre nom dans l'histoire de Terrebonne en signant le livre d'or ce soir. Je vais vous nommer à tour de rôle et vous demander de vous avancer auprès de moi pour une prise de photo, mais surtout pour signer le livre d'or. Alors, restez à l'avant puisqu'il y aura une photo de toute équipe avec vos entraîneurs. J'appelle donc les différentes joueuses que j'ai sous la main en ordre alphabétique. Alors, dans un premier temps, de Terrebonne, Madame Sabrina Beaudoin, je t'inviterai à venir à l'avant. Sabrina, bravo.
Alors, notre prochaine joueuse de la municipalité de l'Assomption, Mme Daphné Como. Alors, notre troisième joueuse de Charlemagne, Mme Mégane Duchesne-Chalifoux. Alors, notre quatrième joueuse de la municipalité de Terrebonne, secteur Lachenaie, Mme Anne-Sophie Gay. Alors, notre prochaine joueuse du secteur de Mascouche, Mademoiselle Maya Labade. Alors, notre prochaine joueuse de Terrebonne, secteur Lachenaie, Mme Mégane Larrivée. Alors, notre prochaine joueuse du côté de Saint-Lin-les-Laurentides, Mademoiselle Léla Cécilia Lutk-Salina. Hein? C'est bon, OK. Alors maintenant, de Saint-Félix-de-Valois, Mme Anne-Frédérique Nau. Maintenant, de Sainte-Mélanie, Mme Anne-Kim Pelletier. Maintenant, de Repentigny, Madame Jessica Perrault.
Maintenant de Terrebonne, Catherine Perron. Maintenant de Saint-Lin-Laurentide, Mégane Quérion. À nouveau de Terrebonne, Élodie Saint-Jacques. Maintenant de Saint-Charles-Borromée, Mélina Sylvestre. De Repentigny, Aurélie Tétreau. Et finalement, de Mascouche, Amélie Vachon. Maintenant, nos entraîneurs, l'entraîneur-chef qui est de Terrebonne, M. Jonathan Larrivé. Entraîneur adjoint du côté de Charlemagne, M. René Chalifoux. Notre prochain entraîneur adjoint du côté de Mascouche, M. Éric Labade. Et maintenant, du côté de Saint-Lin-les-Laurentides, entraîneur adjoint, M. Stéphane Quérion. Et maintenant, j'aimerais inviter le président donc, de nos pionnières de la Naudière, M. Roger Chouinard. Merci.
Alors, bravo à tous et à toutes. Avant de céder la parole à M. Roger Chouinard, votre président de l'équipe, j'aimerais féliciter tout le personnel de hockey féminin de Lanaudière pour tout le travail mis dans la promotion du hockey chez nos filles au cours des dernières années. Visiblement, vous fabriquez de véritables championnes et je suis convaincu que d'autres équipes au cours des prochaines années issues de la région sauront donc se démarquer sur la scène nationale. Alors, M. Chouinard, je vous invite à prendre la parole, certainement vous vous adressez à la population de Terrebonne. Monsieur Plante, maire de Terrebonne, conseillère et conseiller de la ville de Terrebonne, chers citoyens. Monsieur le maire, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait de l'inspiration, mais vous avez devant vous des championnes pour lesquelles j'ai aucun doute que ces jeunes filles-là, dans le futur, vont se démarquer, puis c'est grâce à l'expérience qu'elles ont vécue. Je voudrais juste prendre un instant pour vous mentionner que voilà 5 ans, la ville de Terrebonne a contribué d'une façon très active au plan de redressement du hockey mineur féminin sur le territoire de Lanaudière. À l'époque, il y avait 38 joueuses sur tout le territoire, puis 5 ans après, on remporte des médailles au niveau national. Puis je suis ému parce que c'est la ville de Terrebonne qui a permis, par un plan de redressement, parce qu'ils ont appuyé le hockey mineur féminin de Lanaudière, de faire en sorte qu'on passe de 38 joueuses sur le territoire de Lanaudière à plus de 200 joueuses. Cette année. Fait que merci beaucoup. Fait que, sans aucun doute, la ville de Terrebonne est la locomotive de tête du hockey féminin sur le territoire de Lanaudière. Puis c'est grâce à l'ensemble des initiatives qui sont mises de l'avant par la ville, qu'importe si c'est par les programmes de soutien aux opérations, soutien à l'achat d'équipements, soutien à l'élite sportive via les programmes de subvention, via les heures de glace. Tout ça fait qu'on a un environnement qui fabrique des championnes, qui fabrique des gagnantes, puis c'est ça qu'on veut faire. Au cours des dernières années, on a réussi à mettre en place une offre de services complète pour les filles de 4 ans à 21 ans sur le territoire de la ville de Terrebonne et sur le territoire de Lanaudière. Puis j'ose espérer, parce que vous l'avez dit tantôt, vous avez une fille, que votre fille va être la 201e pour la saison 2018. OK. Sur ça, bien, merci beaucoup pour tout le soutien de la ville de Terrebonne, puis félicitations aux pionnières de Lanaudière.
Alors, bonsoir à tous. On va reprendre la séance ordinaire du conseil municipal. J'aurais besoin donc d'un proposeur pour l'ouverture de la séance, Mme Nathalie Ricard, appuyée par Nathalie Balavance. Ce soir, il n'y a pas de déclaration des élus concernant un sujet à l'ordre du jour, donc déclaration d'intérêt. Alors, vous avez l'ordre du jour entre les mains. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Simon Paquin, secondé par M. Réal Leclerc. Alors, M. le greffier, pour le dépôt des documents pour la présente séance du conseil. Oui, merci, M. le maire. Je dépose le rapport d'embauche des employés temporaires, conformément au règlement numéro 633, le rapport relatif à l'imposition de mesures administratives et disciplinaires, conformément au règlement numéro 667, les procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues le 30 mai, le 6 juin 2018. Je dépose la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du premier, pour la période du 1er au 31 mai 2018 par le comité exécutif. La liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même co-contractant du 1er janvier au 31 mai 2018 et dont l'ensemble des contrats totalise plus de 25 000 $, le tout conformément à l'article 477.3 de la loi sur les cités et villes. Je dépose la liste pour le mois de mai 2018 des dépenses ou contrats octroyés par un fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du règlement de délégation de pouvoir conformément à l'article 477.3 de la loi sur les cités et villes. Je dépose également la liste des écritures d'amendements budgétaires pour le mois de mai 2018, les certificats confirmant que les règlements numéro 707, 711 et 712 adoptés par le Conseil sont réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à voter. Je dépose le procès-verbal de correction du greffier concernant les corrections apportées au règlement de zonage numéro 1009 adopté le 2 octobre 2017. Et je dépose la formule de divulgation des intérêts pécuniaires mise à jour du conseiller Simon Paquin, datée du 13 juin 2018. Alors, merci. Alors, avant d'aller à la période de questions, les membres du conseil et tous et chacun ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juin dernier. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Danny Saint-Pierre, secondé par Mme Brigitte Villeneuve. Avant de débuter la première période de questions pour 30 minutes, je rappelle donc, première période de questions, seuls les points qui ne sont pas à l'ordre du jour peuvent être traités dans la toute première période de questions. Donc, vous avez des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour. Vous vous rappelez toujours la règle, c'est deux questions, maximum 5 minutes. Et je tiens à vous dire que suite à la dernière séance du conseil, ça faisait quand même 6 mois là, qu'on avait adopté la nouvelle formule. Plusieurs citoyens et membres du conseil m'ont aussi fait part là, de m'assurer là, qu'on puisse respecter les règles du 2 questions, 5 minutes. Alors, je tiens à vous dire que ce soir, comme président de l'Assemblée, je vais m'assurer là, de respecter ces éléments-là. Et je vais demander les gens qui posent leurs questions et après 2 questions, ce sera donc terminé. Alors, voilà pour les rectifications. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alain Brisebois, 1630 rue des Bernaches. Monsieur le maire, au cours des dernières semaines, on a eu communication de la ville par courriel de Mme Sonia Maude Lefebvre, j'imagine du département de l'environnement, qui demande la permission pour faire des travaux d'excavation sur nos terrains dans le fameux dossier Brady. J'aimerais savoir pourquoi la ville ne respecte pas les calendriers, les prises de rendez-vous qui sont faites par les citoyens. Exemple. J'ai une de mes voisines qui était supposée d'avoir les travaux aujourd'hui ou demain. Elle s'est arrangée avec son conjoint pour être présente soit aujourd'hui ou demain. Et ils sont venus vendredi passé. Donc, personne de présent. C'est plate en maudit quand on prend des congés pour être sûr que, un, c'est fait correctement, parce que le niveau de confiance est très bas. On ne vous en cacherait pas. On n'a aucunement confiance. Quelle est votre question? Pourquoi la ville ne respecte pas les choses? Bon, la première des choses, lorsque vous dites que pourquoi la ville, vous savez que ce n'est pas la ville qui va faire de l'excavation sur les terrains, c'est la firme mandatée par les deux parties.
Je vais prendre en note votre question puis m'assurer d'obtenir des informations le plus rapidement possible au niveau de la firme Golder. Et donc, on pourrait y revenir ultérieurement concernant le fait qu'il y a une communication de la vis, parce qu'au cours des dernières semaines, il y avait une faible collaboration d'un certain nombre de citoyens là, quant à donner l'accès à la firme qui prélève et donc qui fait ses travaux d'analyse sur les terrains. Alors, la Ville a voulu soutenir là, dans les communications pour que les choses se fassent le plus rapidement possible et qu'on ait, bien entendu, dans les plus brefs délais, un rapport qui nous soit déposé, rapport qu'on attend tous là, de toute évidence. Alors, votre deuxième question? Comme je vous dis, M. le maire, c'est la Ville qui prend les rendez-vous parce que moi, c'est Mme, justement, Lefebvre qui m'a cédulé le rendez-vous. Bien, c'est à elle que j'ai parlé. Donc, Monsieur le directeur général. Alors, la dame en question travaille avec Golder. En fait, elle travaille pour la Ville, mais est en association avec Golder pour faciliter, parce que Golder a de la difficulté à entrer en contact avec les citoyens. Donc, c'est une facilitatrice. Maintenant, si vous aviez l'adresse plus précise de d'où s'est passé le problème de rendez-vous, on va le valider demain. On a une rencontre avec les gens de Golder. Je vais essayer de vous l'avoir, puis je vous l'enverrai. Parfait. Très bien. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la période de questions préliminaires? Bonsoir. Maxime Hull, 725 rue Ernest Mathieu. Petite question, peut-être une complémentarité pour le chemin Gascon. Je voulais juste, parce que j'ai vu dans l'article que ça allait être peut-être repoussé, je veux juste bien comprendre. Bien, d'abord, c'est pas peut-être, c'est certain que ça va être repoussé. Il n'y aura pas de chantier qui va débuter pour la fête du Canada. Comme vous savez, les informations qui ont été, donc je ne vais pas les répéter ce soir, il n'y a pas eu de soumissionnaire à l'appel d'offres qui a été lancé dans les derniers semaines, mois. Ce que je peux vous dire, c'est que les équipes actuellement sont à s'affairer à un nouveau plan d'action à cet effet. Puis on est en attente là, du service des génies là, d'une réponse qui pourrait venir là, d'ici une dizaine de jours. Alors, c'est le calendrier qui, lui, risque d'être décalé. Alors, toutes les options sont sur la table. Comme on le disait, première option, c'est de séparer donc les travaux. Parce que, comme vous le savez, il y a une partie des travaux qui sont faits sur le chemin Gascon qui vont poser problème au niveau de la circulation. C'est notamment la côte qui descend, là, donc entre le chemin Angora et la 640. Là, donc, cette partie-là est plus problématique au niveau des impacts sur la circulation. Alors, on souhaite que les travaux soient menés dans une période où les gens sont plutôt en vacances. Comme vous le savez, il y a 50 000 véhicules qui passent par là. Alors, on est à planifier un nouveau calendrier et faire un nouvel appel de soumission avec un calendrier plus ouvert. Mais c'est certain qu'au niveau de la côte, hein, donc la côte que je viens de nommer, celle-ci ne sera pas faite pour l'année 2018. Ça équivaudrait à faire des travaux dans une période comme la rentrée scolaire ou le mois d'octobre, et ça va présenter des problèmes au niveau de la circulation. Et ça risque de faire du débordement bien souvent dans les quartiers résidentiels, ce que l'on ne souhaite pas de toute évidence. Si on fait, si les travaux se font en deux parties, est-ce qu'il va y avoir une augmentation de coûts? Pour être très franc, non, parce qu'on va offrir probablement plus de flexibilité dans les étapes de réalisation. Alors, l'équipe, les gens du génie sont à évaluer ces aspects-là. Et très bientôt, là, on va connaître là, le nouvel appel de soumission. Ce qui est clair, c'est que les travaux ne seront pas complétés avant l'hiver qui vient, mais on planifie toujours là, pour garder un scénario là, que ce soit complété dans la première moitié de l'année 2019. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, j'ai l'information que vous m'avez demandé. 1633 rue des Bouvreuils. 1633 des Bouvreuils. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mireille Boisvert, 330 Duplessis. Ma question, ben, ça concerne la résolution là, pour exiger du gouvernement qu'il accorde la dérogation aux municipalités. J'aimerais savoir où ça en est. Vous aviez affirmé qu'il y avait une possibilité de rencontrer un avocat aussi là, dans ce dossier-là.
Je vais vous faire tout de suite un compte-rendu. Le 4 mai dernier, la ministre de l'Environnement nous a confirmé sa vive intention là, de modifier le projet de loi, le premier projet de loi qui avait été déposé. Et bien, de toute évidence, à la satisfaction des municipalités. Alors, le projet de règlement a été déposé depuis ce temps et il va faire l'objet là, d'une commission parlementaire, mais il n'a pas été entériné lors de la fin de la session parlementaire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les premières réactions de la Fédération québécoise des municipalités, il n'y en a pas eu de l'Union des municipalités, mais de la Fédération québécoise des municipalités, c'est un avis de satisfaction quant à l'ouverture et aux suggestions proposées par le gouvernement pour le nouveau projet de loi. Alors, je pense que c'est rassurant pour la suite des choses. Donc, à la fois qu'il y a eu une ouverture du gouvernement pour changer, hein, donc arriver avec un nouveau projet de loi, mais il y a une réaction des municipalités là, qui est satisfaisante à cet égard. Est-ce que c'est un nouveau règlement déposé par la ministre? Oui, exactement. Et non pas celui déposé par le ministre Moreau? Non, exactement. C'est très différent. Là, on parle de celle de la ministre de l'Environnement. OK. Parce que si c'est la même teneur que le ministre Moreau, qui dit avoir amélioré et augmenté les distances séparatrices, il a oublié d'enlever le paragraphe où c'est dit que n'importe quand le premier ministre peut décider de réduire ces distances-là si la compagnie lui fait la preuve que ça peut être sécuritaire. Alors, j'espère que ce paragraphe-là a été enlevé dans celui proposé par la ministre. Je n'ai pas cette notion de précision, mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'un premier ministre décide de déroger à son propre projet de loi, il y a aussi une obligation d'expliquer publiquement ses raisons. Alors, même si c'est une possibilité, ça ne veut pas dire que ça va être une réalité, donc il faut faire attention. Maintenant, le débat va se faire à l'Assemblée nationale, puis je ne voudrais pas ce soir là, entrer en discussion ou en débat sur un projet de loi ou sur un projet de règlement qui fait l'objet d'une discussion entre les parlementaires dont nous ne sommes pas ici ce soir. Donc, ça aurait lieu après les élections, parce que le vendredi, c'est la clôture. Exactement. Donc, normalement, le projet de loi, il est peut-être mort au feuilleton, mais à tout de moins, l'intention politique est clairement dictée. Mais moi, aujourd'hui, comme je vous dis, la réaction de la Fédération québécoise des municipalités, là, s'est montrée très optimiste là, quant au nouveau projet de règlement. Ça, je n'avais pas vu passer ça. Moi, j'avais vu celui du ministre Moreau, puis je trouvais ça inquiétant. Non, c'est pas la même chose. Là. OK. Non, c'est ça. C'est deux choses. Les deux ministères sont comme en contradiction souvent. C'est quelque chose à... Monsieur beau. Maisonneuve, peut-être des choses à ajouter. Oui. Oui, bonjour. Bien, écoutez, oui. Vous savez, bien, pour ce que M. Moreau a fait, c'est 4,30 sous pour 1 $. On s'entend que c'est la même chose. C'est vraiment pas là-dessus qu'on va. Fait que c'est vraiment autre chose. Je vais attendre de voir aussi qu'est-ce qu'il y en a, puis je vais parler avec M. le maire aussi, juste pour être sûr qu'on a les bonnes informations, mais c'est sûr que c'est pas... Okay. Donc, la ministre de l'Environnement serait prête à accorder les dérogations aux municipalités? Selon ce qu'on a comme information. Exactement. Oui. Parfait, je vous remercie. Merci. Alors, je vois personne d'autre s'avancer à l'avant. Alors, c'est ce qui va mettre un terme à la première période des questions. Alors, je vous invite donc à aller au point 5.1. Alors, monsieur le greffier, attendez. Ah, il y a des questions aux citoyens. Ah. Vous savez qu'on a la période des questions transmises en ligne. Donc, j'y vais en ordre de la période de questions. Alors, monsieur le greffier, j'y vais avec la lecture des questions qui nous ont été soumises par les gens qui nous écoutent certainement par la web diffusion. D'abord, on a monsieur Sébastien Forget qui a trois questions. Alors, déjà là, il déroge en partie au règlement, mais je vais les prendre parce que ces trois questions qui sont de même acabit, là. D'abord, M. Forget veut savoir, j'aimerais savoir pourquoi les camions ne sont pas interdits de circulation sur la rue Rodrigue entre le boulevard Laurier et la montée Major. Il n'y a aucune pancarte, là, j'utilise l'expression anglaise « no truck », là, mais pas de camion, sur les coins Laurier-Rodrigue. Et il dit croiser régulièrement des camions qui prennent le raccourci entre Major et Laurier, là, donc pour contourner la circulation sur la 337 et traverse naturellement un secteur résidentiel, dont notamment une école et une garderie.
Premier des éléments, on va faire la vérification entre les portions, mais on sait que sur la rue Rodrigue, il y a une section où c'est pas permis là, donc pour les camions de circuler. Chers citoyens, sachez que même s'il y a une interdiction de circulation pour les camions, les livraisons intérieures, donc sur locales, entre guillemets, sont permises. Là. Alors, c'est pas parce qu'il y a une affiche interdiction de circuler pour un camion qu'il n'y a aucun camion qui peut circuler. Donc, il faut aussi faire la distinction entre ces deux aspects. On va aussi s'assurer, là, est-ce que c'est sur l'ensemble du tronçon de la rue Rodrigue? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont permis et d'autres qui ne le sont pas? Et est-ce qu'il y a des ajustements? Et le cas échéant, on pourra adresser au comité de circulation peut-être une uniformisation sur cette portion du boulevard Rodrigue. Mais pour ce soir, pour le citoyen, je tenais quand même à lui donner des éléments de réponse. Mais on pourra faire des sujets, un suivi, notamment par le biais de la commission de le comité de circulation. La deuxième question, c'est une partie du problème précédent, là, donc c'est une suite, c'est une question avec deux éléments, se réglerait probablement de lui-même si les voies étaient élargies sur le boulevard Laurier. Donc, on parle ici de la 337 entre Rodrigue et Philippe Chartrand. Alors, vous connaissez l'élargissement de la 337, ça a été donc abondamment traité récemment. Fait que je vais répéter rapidement là, les décisions de l'exécutif là, il y a déjà presque deux mois. Là. Vous savez que l'exécutif a entériné un projet d'élargissement avec une intention de collaborer financièrement à la réalisation du projet. Celui-ci a été déposé au ministère des Transports du Québec. Et évidemment, bien, on génère une pression, mais en même temps, on envoie un message clair qu'on veut une réalisation sur cette portion du ministère des Transports dans les plus brefs délais. Alors, donc, la Ville a déjà… Oui, et ici, on parle plutôt entre Rodrigue et Guillemette, donc après le IGA pour les gens du secteur La Plaine. Maintenant, le trafic sur le boulevard Laurier est devenu insoutenable. C'est encore en lien avec le même point. Là, on n'a pas besoin d'être convaincu. Donc, sa troisième question… Actuellement, la chaussée est dans un très mauvais état. Et avec raison, j'ai moi-même circulé récemment et c'est plutôt vallonneux sur la 337. Sachez qu'il y a eu des représentations de la Ville de Terrebonne là, pour demander auprès du ministère des Transports, dans les plus brefs délais, là, qu'il y ait des correctifs sur le tronçon de la 337, celui qui doit être élargi, mais surtout le tronçon là, qui est… dont l'asphalte est actuellement en très mauvais état. Sachez que la Ville de Terrebonne ne peut pas faire elle-même les travaux sans l'autorisation du ministère des Transports, mais vous conviendrez avec moi que c'est une route provinciale et donc c'est aussi au ministère des Transports de réaliser ses travaux sur ses propres tronçons. Alors, j'invite donc M. Forget à se joindre à nous et à manifester lui aussi son inconfort et son désir qu'il y ait des correctifs sur ce tronçon. Alors, voilà pour les trois questions de M. Forget. Question suivante, donc, de Mme Cynthia Verde. Je m'excuse si je ne prononce pas bien, mais c'est V-E-R-D-E, donc Verde ou Verde. Donc, ma famille et moi habitons sur la rue René à Terrebonne, dans le secteur La Plaine. Cette rue est très passante et on y a accès par Laurier, donc le boulevard Laurier. Sur Laurier, la vitesse est de 70 km et quand on arrive sur sa rue, lorsqu'on tourne, ça tombe à 40 km. Donc, la citoyenne se plaint du fait que les gens maintiennent une vitesse souvent là, qui est très élevée sur les rues collectrices là, de la rue 337. Première chose, donc je vais transmettre la question et donc l'enjeu au comité de circulation, mais sachez que la semaine dernière, notre président, M. Serge Gagnon, a transmis à l'ensemble des membres du conseil là, l'idée pour l'année 2018, mais surtout en 2019, une stratégie de faire 16 projets sur 16 tronçons pour réduire la vitesse et d'avoir une stratégie là, qui est renouvelée avec de nouveaux éléments dans les différents quartiers. Donc, ça va être un endroit dans chaque quartier, mais 16 projets. Et il sera notamment étudié là, l'idée d'avoir des dos d'âne allongés. Quand je parle des dos d'âne allongés, ce n'est pas les petits dos d'âne que vous connaissez. Vous savez qu'on n'en a pas du tout à la Ville de Terrebonne, mais les fameux dos d'âne
allongée et d'autres projets seront étudiés au cours de l'automne. Mais sachez qu'il y a 16 projets pilotes qui vont être mis dans opération. Alors, Mme Verdé, elle pourra recommander à son conseiller que sa rue soit identifiée comme dans d'autres secteurs. Mais chaque conseiller va avoir l'obligation de choisir un dossier. Alors, vous aurez tous la difficile décision d'établir l'endroit le plus prioritaire dans vos quartiers. Donc, voilà pour la réponse à cette étape-ci. Maintenant, M. Saïd vous m'excuserez du nom de famille, Amegroud. Donc, celui-ci demeure dans le secteur Lachenay, quartier 15. Ma question concerne la politique de stationnement sur rue de la ville de Terrebonne. La configuration actuelle de la rue Île-de-Mai présente quelques risques de sécurité. La signalisation sur cette rue permet le stationnement des deux côtés et c'est notamment très problématique là, dans les secteurs de la rue Île-de-Mai et Île-Maurice. Écoutez, la question va être aussi transmise au comité de circulation. Je vis à quelques pâtés de maison et moi aussi, je suis conscient de ce défi-là lorsque du stationnement des deux côtés de la rue, ça peut parfois faire en sorte que les automobilistes peuvent difficilement circuler. Les gens doivent arrêter, laisser passer l'autre véhicule. D'autres citoyens nous disent que le stationnement sur rue des deux côtés, ce que ça fait en sorte, c'est que ça ralentit aussi la circulation. Parce qu'on sait qu'on a des problèmes de vitesse sur la rue Île-de-Mai et que le stationnement sur rue a aussi des effets bénéfiques, je tiens quand même à souligner, c'est que ça oblige les automobilistes à réduire leur vitesse parce que leur champ de vision et de passage est beaucoup moins large. La question, est-ce qu'il y a des tronçons qui sont un peu moins larges ou on devrait plutôt le permettre seulement d'un côté et d'avoir sensiblement le même effet de ralentissement des véhicules indirectement que de le permettre des deux côtés? Alors, je pense que la rue Île-de-Mai sera certainement, et donc on va inviter, mais on va transmettre là, donc cet élément-là auprès du comité de circulation. Question de M. André ou Lynn P. Alors, je suppose que c'est un couple qui partage le même courriel. Lynn Roy de Terrebonne, donc, nous demande qu'il serait agréable d'avoir accès pour nos chiens dans l'île des Moulins, ce qui permettrait d'éloigner les bernaches et surtout d'éviter les excréments qui sont non ramassés à l'île des Moulins. Alors, Mme Roy, je tiens à vous dire qu'il y a un mandat qui a été donné par l'exécutif à la commission de la sécurité publique pour étudier une révision de la réglementation des chiens avec laisse dans différents lieux parcs de la ville de Terrebonne. Il y aura au cours de l'automne des recommandations, mais notamment l'île des Moulins, le Trans-Terrebonne et d'autres secteurs seront évalués. Ça étant dit, je le répète, il y aura des projets pilotes. Ce sera des chiens avec laisse et non sans laisse. Et évidemment, on va vouloir s'assurer que ce soit des projets à succès. Et parmi les recommandations, on a notamment dit que ce serait applicable pour les chiens qui ont une médaille de Terrebonne. Donc, on veut éviter l'évasion des chiens de toute la région qui vont débarquer ici même à Terrebonne. On veut quand même avoir une orientation qui va être modérée. Donc, voilà pour Mme Lynn Roy. Valérie Ménard nous demande, elle demeure sur la rue Gilbert à Terrebonne, secteur La Plaine. Elle est à deux maisons du terrain de soccer Trudel et elle est responsable d'un service de garde en milieu familial privé. Depuis longtemps, les voitures roulent très rapidement et ne tiennent pas compte de la limite de vitesse qui est de 30 km près des parcs. Alors, M. Serge Gagnon, un autre dossier qui va être transmis à votre comité très bientôt, mais aussi on va informer le membre du conseil. Vous savez, à la ville, des requêtes de circulation, on en reçoit régulièrement et avec raison. Je tiens quand même à dire que depuis 6 mois, le comité de circulation a traité plus de requêtes et pris de décisions à la fois favorables
que dans les deux ou trois dernières années. Donc, je pense que notre comité de circulation est en mode travail. On veut notamment, au cours des prochaines semaines, arriver avec un formulaire où les citoyens qui vont faire ce type de requête-là vont devoir donner davantage d'informations pour aider le cheminement auprès du comité de circulation. Je sais que tout le monde veut réduire la vitesse, veut plus de sécurité dans leur quartier, mais aussi, je nous rappelle que parfois, on est aussi des nous-mêmes des automobilistes et qu'on peut aussi être des automobilistes qui réduisons notre propre vitesse. Et donc, parfois, on réalise que ceux qui demandent plus de sécurité dans leur rue, c'est eux-mêmes qui sont les plus rapides à circuler dans les rues de leurs voisins ou des gens qui circulent sur le territoire de la ville de Terrebonne. Alors, c'est un petit message comme ça, prévention, sécurité. D'autres questions? Alors, M. Fernand Simard, qui habite au 264 Varin à Terrebonne, souhaite qu'on... il dit qu'il y a un arrêt obligatoire, mais qu'il n'y a pas d'intersection. Alors, est-ce encore nécessaire? Donc, il remet en question un arrêt obligatoire sur sa rue. Alors, il demande au comité de circulation d'évaluer la situation. Alors, encore une fois, M. Gagnon, félicitations. Non, pas de vacances cet été. Prochaine question, Mme Ginette Landry, concernant les travaux prévus sur le chemin Gascon. Elle aimerait savoir pourquoi il y a un terre-plein qui bloque la rue Godard entre Angora jusqu'à la rue du Rocher. Cette artère pourrait être une solution pour diminuer la circulation sur la rue Angora. Il y a présentement beaucoup de circulation sur la rue Angora, sans compter la piste cyclable et le centre d'hébergement. Caroline, as-tu compris? C'était quel endroit? C'est dans le tien. Simon, vas-y. Je te laisse répondre à la question. Dans le fond, Mme Landry fait... Landry ou Landry? Landry. Landry fait allusion, dans le fond, il y a un terre-plein qui fait en sorte qu'on ne peut pas traverser la rue Godard de Philippe Ferland jusqu'à Du Rocher, jusqu'à Angora. C'est mitigé pour avoir fait quelques soirs de porte-à-porte sur cette rue. On parle, il y a 50% de la population qui voudrait qu'on enlève ce terre-plein, puisque ça devient un cul-de-sac, et il y en a 50% qui voudraient qu'on le laisse. Alors, c'est mitigé. On pourra peut-être aller faire une autre tournée, voir qui est pour et qui est contre, là, mais... Tu pourrais peut-être faire un pile ou face. Oui, ça pourrait être quasiment ça, voilà. Alors, prochaine question, dernière question ce soir de M. Rémi Gibault, du 1095 René Richard à Terrebonne, dans l'ouest de Terrebonne. Une question précise. Lui, là, il est vraiment discipliné de Terrebonne-Ouest. À quand le début des travaux pour effectuer la rue de pavage et l'éclairage sur la rue René-Richard? Alors, la réponse est très simple. Ça va commencer à la fin août, début septembre. Alors, voilà, M. Richard, vous êtes répondu. Non, M. Gibault de la rue René-Richard. Merci. Alors, c'était nos 8 questions de la soirée, en espérant que nos 8 citoyens ont suivi les réponses. On a donné ce soir. Alors, M. le greffier, on y va avec le point 5.1. Alors, merci, M. le maire. Alors, que la résolution numéro 452-12-2017, adoptée le 11 décembre 2017, fixant le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2018, soit modifiée afin de mentionner que la séance ordinaire du 9 juillet 2018 se tiendra en plein air au Parc Saint-Sacrement, 11-26, rue Gédéon M. Prévost. Et en cas de pluie, la séance se tiendra à l'endroit habituel, à savoir à l'édifice Loup de Page, 754, rue Saint-Pierre, Terrebonne, et qu'un avis soit publié à cet effet dans le journal de la revue et sur le site Internet de la ville, sous la rubrique Avis légaux, et que copie de la présente soit transmise à la MRC des Moulins. Alors, proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Nathalie Balavance. Alors, venez de découvrir que la prochaine séance du Conseil, c'est au Parc Saint-Sacrement, 19h30, en plein air. Si jamais il pleut, vous allez le savoir 24 heures à l'avance et on revient ici si jamais il ne fait pas beau. 5.2. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 6 juin 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne avec M. François de Guillon. Le document convention et acceptation de l'indemnité pour l'acquisition du lot 2 920 366 du cadastre du Québec, le tout pour la somme de 178 519 $ financé à même le règlement 641 tel qu'il est modifié par le règlement 641-1 et -2
et que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2018-205 émis par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Proposé par Serge Gagnon, secondé par Réal Leclerc. 5.3. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 6 juin, que le conseil municipal de la ville de Terrebonne adopte la grille d'évaluation pour l'appel d'offres pour l'acquisition d'une banque d'heures sans échéance en développement de scripts d'automatisation du traitement de données géospatiales avec la technologie FME. Selon les critères suivants, à savoir la compréhension du mandat professionnel 20 points, méthodologie calendrier 15, qualification expérience du soumissionnaire 15 points, qualification expérience du chargé de projet 20, qualification expérience des autres membres du personnel 30 points, et pour un total de 100 points. Alors, proposé par M. Jacques Demers, appuyé par Nathalie Bellavance. Que le règlement modifiant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme de Terrebonne afin de porter à 7 au lieu de 8 résidents la composition des membres résidents du comité consultatif d'urbanisme soit adopté sous le numéro 96-7 et le projet de règlement a déjà été présenté. Copie a été remise aux membres du conseil présents lors de la séance du 4 juin 2018. Proposé par Réal Leclerc, secondé par Brigitte Villeneuve. Que le règlement modifiant le règlement 4001 sur la paix de l'ordre public et le bien-être en général, afin de modifier l'article 4.4 sur l'utilisation des armes à feu, soit adapté sous le numéro 4001-2. Le projet de règlement a déjà été présenté. Copie a été remise aux membres du conseil présent lors de la séance du 4 juin 2018. Proposé par M. Danny Saint-Pierre, secondé par Robert Brisebois. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 13 juin 2018, le conseil de la ville de Terrebonne accepte l'offre de service de la Corporation de l'École des hautes études commerciales HEC pour la recherche et l'accompagnement dans le cadre de la réorganisation des modes de gestion de la ville de Terrebonne, le tout pour un montant n'excédant pas 330 365 $ taxes en sus, que le certificat de disponibilité numéro 2018-221 par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour faire partie intégrante. Que le maire ou le maire suppléant, le greffier ou l'assistant greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Terrebonne l'entente de recherche à intervenir avec la Corporation de l'École des hautes études commerciales, HEC, Pôle santé et tous les documents inhérents au contrat de service et que le transfert budgétaire 2018-240 soumis par l'assistante trésorière soit également accepté. Proposé par Jacques Demers, secondé par Yann Maisonneuve. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 13 juin 2018, que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Terrebonne l'entente préalable entre la ville de Laval et la ville de Terrebonne, fixant les objectifs d'une entente finale relativement à la coopération de la ville de Laval et de la ville de Terrebonne au sein du BIEL, c'est-à-dire le bureau d'intégrité et d'éthique de Laval, que la ville de Terrebonne elle procurera en vertu de l'entente finale des ressources additionnelles au BIEL et le BIEL traitera à la fois les dossiers issus de la ville de Laval et ceux de la ville de Terrebonne. Proposé par Danny Saint-Pierre, secondé par Serge Gagnon. Alors, il a donné un avis de motion et une présentation pour adoption de prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, un projet de règlement portant le numéro 3901-5, modifiant le règlement 3901. 1. Sur la circulation et le stationnement, afin de prohiber le virage à droite sur un feu rouge de 6h à 9h du matin, du lundi au vendredi, sauf pour les résidents, en direction sud de la montée Masson, à l'intersection du chemin du Coteau. Proposé est un avis de motion de Jacques Demers. Alors, 6.1. Alors, attendu conformément au règlement d'emprunt suivant, tel que mentionné ci-après, et à l'égard de chacun d'eux, la ville de Terrebonne souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de $22,712,000 qui sera réalisé le 10 juillet 2018 et réparti comme suit pour les règlements 475 et 686, selon les montants pour chacun d'eux, qui a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux.
Pour les fins de cette émission d'obligation et pour le règlement d'emprunt numéro 475 et les suivants, c'est après décrit, la Ville de Terrebonne souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Alors, il est proposé par Mme Bellavance et M. Yann Maisonneuve que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit, à savoir les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 10 juillet 2018. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 10 janvier et 10 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs. Conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux, les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et compensation CDS Inc. qui seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent inscription au compte, agent détenteur d'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents tel que décrit dans le protocole d'entente signé avec le ministère des Affaires municipales. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit pré-autorisé destiné aux entreprises ». Paragraphe 7, CDS effectuera les paiements à capital intérêt aux adhérents par transfert électronique de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de la Ville de Terrebonne. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière de la Ville de Terrebonne, telles que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévu pour les années 2024 à 2028. Le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 475 est le suivant, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans. Que ce qui concerne les amortissements annuels et capital prévu pour les années 2029 et suivants et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 475 et suivant, c'est après nommé, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans, à compter du 10 juillet 2018, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde de l'emprunt. Alors, le 6.1, c'est proposé par Nathalie Bellavance, secondée par Yann Maisonneuve. Pour les gens qui nous écoutent dans la salle ou en web diffusion, vous savez que la Ville de Terrebonne, on a des emprunts. Et des emprunts, quand ils viennent à échéance, on les renouvelle. C'est comme une hypothèque. Hein? Après 5 ans, on les renouvelle. Alors, la Ville de Terrebonne n'a pas emprunté aujourd'hui 22 millions. Elle renouvelle un montant d'argent qui avait déjà été emprunté. Alors, je veux juste m'assurer que les gens comprennent bien, parce que ça peut donner l'impression que la Ville a emprunté 22 millions. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on renouvelle un emprunt qui était déjà existant après X nombre d'années, avec les taux d'intérêt d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Ça va? 6.2. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 13 juin 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte pour l'appel d'offres public pour l'acquisition d'un logiciel de gestion financière intégré la grille d'évaluation des soumissions suivantes, à savoir qualification et expérience du soumissionnaire 5 points, qualification et expérience du chargé de projet et des autres membres 5, plan de développement et de vision du soumissionnaire pour les 5 prochaines années 15, pour un chiffre total de 25. Module existant, critères d'évaluation technique 5, fonctionnalités 25, démonstration du produit 20, pour un chiffre total de critères de 50, et la proposition financière 25 points. Alors, proposé par Nathalie Bellavance, secondée par Yann Maisonneuve, sachez que notre service des finances là, va donc se doter d'un nouveau logiciel. Et je tiens quand même à vous préciser là, qu'il était un peu dû. Là. On était encore sur des feuilles Excel. Là. Je pense qu'on était dû pour avoir un logiciel intégré de nouveau type. Alors, l'investissement est très important. Puis c'est un gros changement là, pour notre service des finances. Là, mais il n'était pas trop tôt qu'on le fasse non plus comme investissement. Alors, ça, c'est la grille de points. Puis éventuellement, il va y avoir un appel de soumission qui, elle, va donner le résultat là, d'une sélection. Là. Je fais de la traduction ce soir. Hein, c'est, excusez. Hein, de la vulgarisation, c'est mon petit côté. Hein. 7.1. Alors, que suivant la recommandation du comité exécutif du 6 juin 2018, le conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la firme Groupe ABS Inc. pour les services professionnels pour le contrôle de la qualité des matériaux pour divers travaux.
pour un montant de 134 862 taxant su, être prêt à même les fonds disponibles des règlements numéro 643-1, 681, 696 et 699 et que les sommes à être réservées à même les protocoles à venir pour le développement résidentiel Aude. Que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2018-222 de l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Proposé par Réal Leclerc, secondé par Serge Gagnon. 7.2. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 13 juin 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Nortrax Québec Inc. datée du 23 mai 2018 pour l'acquisition d'une chargeuse rétro-graveuse 4x4 de marque John Deere, moins l'échange d'une chargeuse rétro-graveuse sur roue, le tout pour un montant de 30 000 $ et en soustraction et pour un montant total de 138 000 $ taxant su être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 710 et que le produit de la disposition de la chargeuse rétro-craveuse sur roue donnée en échange soit affecté au règlement d'emprunt 710 que M. Alain Vermette, coordonnateur de l'atelier mécanique à la direction de l'entretien du territoire et Sébastien Foucault ou Sébastien Foucault, contremaître à l'atelier mécanique, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne sur le document relatif à l'achat du véhicule. Alors, proposé par Danny Saint-Pierre et secondé par Serge Gagnon, on va aller chercher le 4x4 de marque John Deere. Attendu, suivant la recommandation du comité exécutif du 13 juin 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Accessoires Outillage Limité, datée du 23 mai 2018 pour l'acquisition d'un balai de rue de type aspirateur monté sur châssis de marque Autocar, moins l'échange d'un balai sur roue Johnson 605 Freightliner modèle FC80-2004 pour un montant de 24 994 $ taxant su, le tout pour un montant global de 274 901 $ taxant su, être pris en même les fonds disponibles du règlement 710 et que le produit de la disposition du balai sur roue donné en échange soit affecté au règlement d'emprunt 710. Que M. Vermette, coordonnateur de l'atelier mécanique, ou M. Sébastien Foucault, contremaître à l'atelier mécanique, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne tous les documents relatifs à l'achat du véhicule. Proposé par Danny Saint-Pierre, puis d'après moi, ça va être secondé par Serge Gagnon. Suivant la recommandation du comité exécutif du 13 juin 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Équipement Plan Nord Limité, datée du 18 mai 2018, pour l'acquisition d'une pile mécanique sur roue, moins l'échange d'une chargeuse rétro-craveuse sur roue modèle 410 JT 2010, pour un montant de 33 000 $ taxant su. Le tout pour un montant total de 241 035 $ taxant su, être prêt à même les fonds du règlement 710. Que le produit de la disposition de la chargeuse rétro-caveuse sur roue donnée en échange soit affecté au règlement 710 et que M. Alain Vermette, coordonnateur de l'atelier mécanique, ou M. Sébastien Foucault, contremaître, soit ils sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne tous les documents relatifs à l'acquisition du véhicule. Alors, Danny Saint-Pierre va nous proposer ça avec Serge Gagnon. Suivant la recommandation du comité exécutif du 13 juin 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise l'achat et la livraison de bacs roulants bruns, bleus et gris anthracite et de mini-bacs de cuisine pour la Ville de Terrebonne, le tout selon l'option prévue à la soumission MOS 2017-2031 avec la société IPL datée du 7 septembre 2017 pour un montant de 91 994 $ taxant su, être prêt à même les fonds disponibles du règlement numéro 679 et que le certificat émis par l'assistante trésorière portant numéro 2018-239 soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Alors, proposé par Brigitte Villeneuve, secondé par Serge Gagnon. 8.1, dérogation mineure. Alors, pour les dérogations mineures, alors, le Conseil de la Terrebonne donne suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 10 mai 2018 comme suit. Pour le 8140 rue du Jabot, il s'agit d'autoriser, dans le but de régulariser l'implantation d'une habitation unifamiliale à marge avant à 5,23 mètres, alors que la grille des usages et des normes du règlement
prévoit un minimum de 6 mètres et l'empiètement de l'escalier en cour avant à 2,41 mètres, alors que l'article 109 du règlement du zonage prévoit un maximum de 2 mètres. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'objecte dans la salle? Non. Pour le 104-40 boulevard Laurier, il s'agit d'autoriser dans le but de subdiviser un terrain la réduction de la profondeur du lot projeté 6 231 006 à 23,63 mètres, alors que le règlement 1001 prévoit une profondeur minimale de 29 mètres. Est-ce qu'il y a une objection dans la salle? Non. Pour le 877 rue Léveillé, il s'agit d'autoriser, dans le but de régulariser, l'implantation d'un bâtiment accessoire, un garage isolé, une marge latérale à 0,3 mètre, alors que l'article 113 du règlement du zonage 1001 prévoit un minimum de 1 mètre. Est-ce qu'il y a une objection dans la salle? Merci. Pour le 950 boulevard Lucile Tesdale, il s'agit de refuser la réduction du nombre de cases de stationnement à 395, alors que l'article 264 du règlement du zonage 1001 prévoit un minimum de 409 cases, soit 0,5 cases par chambre. Est-ce qu'il y a une objection dans la salle? Venez au micro, monsieur. Simplement, votre nom, votre adresse. Jean-François Pouliot, représentant de MD Bâtiments, qui a fait la demande, et résident de Terrebonne aussi du 1955. Charles Aubert. Allez-y. Là, j'entends que la demande de dérogation est refusée par le Conseil. Ouais. La demande faisait, c'était pas une demande d'accepter un ratio de stationnement de moins, mais c'était d'exclure, autrement dit, des places de stationnement pour lesquelles il n'y aura pas d'automobile associée à ça, parce que les gens qui vont demeurer dans ces unités-là sont pas, ont pas les moyens de demeurer là, d'avoir un véhicule. Moyens physiques, on s'entend, et non financiers. Non financiers, les moyens physiques, autrement dit. Donc, ça veut dire que ces gens-là ne pourront pas utiliser de voiture parce qu'ils ont l'Alzheimer ou encore ils doivent être confinés dans une unité fermée à clé pour leur sécurité. Fait qu'à ce moment-là, nous, on ne demandait pas de modification du règlement, mais on demandait d'exclure, autrement dit, dans le calcul du ratio de stationnement pour ce projet-là, ces unités-là, ces 32 unités-là qu'on appelle des unités de soins. Excellent. Monsieur Michel Larue, directeur de l'urbanisme, va vous répondre. Les membres du conseil ont été donc informés avant, mais on va le laisser donc expliquer au plan technique. Alors, Monsieur Larue. Oui, Monsieur le maire. Le dossier est analysé par le comité consultatif d'urbanisme et tel que le précise la loi. Une dérogation mineure peut être accordée seulement que si l'application du règlement de zonage et de lotissement cause un préjudice sérieux au demandeur, si elle ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, ce qui était le cas, si elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme, mais surtout si les travaux en cours ou déjà exécutés ont été exécutés de bonne foi et ont fait l'objet d'un permis. Alors, le permis qui a été émis, M. le maire, correspondait à la conformité de la réglementation. Donc, toutes les cases de stationnement y étaient prévues, sauf qu'en cours de travaux, les travaux ont été modifiés selon les plans qui ont été soumis. Donc, c'est un peu difficile, là, dans le contexte actuel, de pouvoir… Monsieur Larue, les plans ont été modifiés, mais est-ce que vous avez été informé avant que Non, les travaux, M. le maire, ont été réalisés non conformément aux plans qui ont été soumis pour le permis. Donc, vous avez appris, M. Larue, après coup, que les plans qui avaient été donc approuvés par la ville n'étaient donc pas respectés, c'est ce que je comprends? Exactement, c'est lors des travaux sur le chantier. Et donc, c'est suite à cela qu'il y a eu le dépôt d'une demande de dérogation mineure? Tout à fait. Et c'est suite à cela que le comité consultatif s'est penché sur cette demande-là et l'a refusée, ce que je comprends bien. Oui. Dans son analyse, il y a cet aspect-là qui était très important. Oui. Et l'autre aspect, naturellement, c'était des cases de stationnement en tandem qu'on nous proposait qui sont non conformes à la réglementation. C'est pourquoi la dérogation concernait le nombre de cases de stationnement. OK. Ces cases-là sont existantes, cependant. Elles sont là, elles sont en tandem. Elles ne sont pas conformes à la réglementation, mais elles sont quand même existantes et peuvent être utilisées aussi. Expliquez-moi, M. Pouliot, j'ai posé une question à M. Larue. On vous a octroyé un permis. Oui. Vous avez pris la décision de faire, en tout cas, d'enlever un aspect
de la projection de ce que vous souhaitiez faire et vous l'avez fait sans informer le service de l'urbanisme. Alors, je veux juste comprendre, est-ce qu'il y a une raison? La raison dans ce cas-ci, c'est que le projet de construction est allé relativement vite associé aux travaux de ce projet-là et au niveau d'informer l'avancement par rapport à cet élément-là. Il y a eu d'autres éléments aussi qu'il fallait amener en dérogation, puis ça a été amené dans le collimateur en même temps que d'autres éléments de modification, puis ça a été tardivement, effectivement. Mais nous, on n'est pas, comme membre du conseil, puis moi-même comme maire, parce que le dossier nous a été présenté, je suis obligé de dire que par le pas, d'abord, moi, j'aime pas beaucoup quand on émet des permis et pour lequel un projet de construction de cette ampleur-là est donné, donc il y a une entente, il y a un engagement de réaliser conformément à la planification que vous aviez et que vous changiez en cours de route sans informer le service de l'urbanisme et qu'on se retrouve devant un fait accompli. Et le problème que M. Larue vous a peut-être pas encore dit, mais c'est que les dérogations mineures, ils doivent être basées sur un processus ou une situation qui est de bonne foi. Et là, dans ce cas-ci, il y a un cas assez évident, c'est que vous avez pris la décision sans demander avant de réaliser les travaux, la permission à la ville de Terrebonne pour soustraire une partie des stationnements que vous deviez faire. Et c'est là que nous, comme élus, on est un peu divisés dans le sens que se retrouver à suspendre puis à autoriser, par exemple, cette dérogation mineure, le message qu'on envoie à tous les contracteurs qui font affaire sur le territoire de la ville de Terrebonne, c'est écoutez, si jamais vous changez les plans que vous aviez obtenus, pour lesquels vous avez obtenu une permission, vous changez ça, vous ferez une demande de dérogation mineure, mais au pire, vous faites les travaux, puis la ville va se retrouver avec un fait accompli. Malheureusement, dans une ville en développement comme Terrebonne, on ne peut pas avoir une gestion de notre territoire et des projets et des chantiers où on laisse aux promoteurs modifier sans jamais informer l'administration municipale de ces changements-là. Alors là, aujourd'hui, ce que vous nous demandez, finalement, c'est d'autoriser et d'accepter une situation qui, demain matin, va être utilisée par tous les promoteurs dans les prochaines années sur le territoire de la ville de Terrebonne. Alors, pour nous, c'est une décision qui n'est pas nécessairement liée à votre dossier, mais aussi à l'ensemble des dossiers. Et je tiens à vous dire que dans tous les projets qu'on a eus récemment, où on a accepté de réduire le nombre de places de stationnement, le conseil se retrouve dans les années qui suivent à gérer les problématiques de stationnement sur rue. Sur le secteur où vous êtes, vous savez que le stationnement sur rue, ça ne peut pas fonctionner là, sur Lucile Tisdale, c'est très complexe. Mais c'est parce que la difficulté, ça remet le poids sur l'administration municipale de corriger le manque de stationnement, alors qu'en réalité, vous aviez prévu faire un nombre X de stationnements. Alors aujourd'hui, je pense que la décision du comité consultatif qui a été prise, d'abord, elle est basée sur la loi, c'est une décision qui est la bonne. Elle ne pouvait pas suspendre ou outrepasser parce que dans les faits, vous ne vous y qualifiez pas. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de vous asseoir avec les gens de l'urbanisme, voir de quelle manière on peut trouver une solution pour que le chantier se poursuive, mais ça ne pourra pas se faire au déprimant de places de stationnement. Ça, je vous le dis très clairement, et on va trouver une solution, mais ce que je vous dis, il va falloir s'asseoir avec les gens de l'urbanisme. Puis aujourd'hui, ce que vous venez d'entendre, c'est aussi un conseil municipal qui dit à vous et à tous les entrepreneurs qui développent sur le territoire de la ville de Terrebonne, ne faites jamais cela. Quand vous avez un permis et que vous vous engagez à faire quelque chose, si vous voulez faire des petits changements, adressez-vous d'abord au service de l'urbanisme parce que pour nous, détricoter des affaires que vous avez détricotées, là, je suis obligé de dire que ça nous rend très inconfortable parce que ça nous équivaudrait. Finalement, ça nous amènerait à vous donner un privilège qu'on n'offre pas aux autres entrepreneurs et ça, bien, on a un peu de difficulté avec ça. Je ne sais pas si vous comprenez.
Correct. Je comprenais qu'il y avait un argumentaire qui se tenait associé à ça, qui faisait en sorte que notre projet, par rapport au fait qu'on avait des unités de soins, c'était pas une entourloupette pour essayer de faire passer un projet, c'était plus un constat de situation de projet qui amenait notre ratio à 0,17. On ne dit pas qu'il y a une entourloupette ou que vous êtes malhonnête ou que vous êtes de mauvaise foi. Ce n'est pas ce que je dis ce soir. Je vous dis, c'est que là, on est dans une situation d'inconfort. Puis je laisserai peut-être au directeur général faire un complément d'information. Bonsoir. Alors, bonsoir. Écoutez. Peut-être ajouter à ce que M. Larue et M. le maire vous ont mentionné, il est toujours très dangereux de fixer un certain nombre de cases en fonction d'une clientèle à l'intérieur d'un bâtiment. Ces chambres-là pourraient changer par un futur administrateur. Si vous vendez le bâtiment, puis il y a un autre administrateur qui arrive, qui décide de changer la clientèle, à ce moment-là, le bâtiment va tomber dérogatoire. Alors, ce n'est pas la bonne chose à faire. Il y a une exigence dans la zone qui est quand même assez souple par rapport aux comparables ailleurs au Québec. Et on pense que le 0,5 cases par logement tient la route. Alors, voilà. Donc, ça complète un peu l'information que M. Larue et M. le maire vous ont donnée. Et je pense pour les gens qui nous écoutent, là, on est à 0,5. Ça veut dire qu'on a une place de stationnement par deux unités. On est conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'une place de stationnement, là, mais le ratio est à 0,5 par unité, donc, ou une place par deux unités. Et donc, ça reste quand même là un nombre qui est relativement bas. Donc, le nombre minimal était de 405 places ou 409, là, je pense, 409 places. Le nombre qui est identifié est à 395. Donc, vous êtes à 14 places d'une solution. Je pense qu'on est certainement capable de trouver une solution là, sans bousculer tout le chantier. Mais nous, ça nous apparaît là, important qu'on suive la règle minimale là, qui avait été dictée et dont le permis avait été donné. Là. OK, mais avec 0,5 et la fourniture d'un autobus pour le déplacement de ces gens-là, nous, on croyait que c'était quelque chose de bien. C'est que la problématique, comme M. le directeur général vient de vous dire, c'est que aujourd'hui, vous êtes le gestionnaire et vous pouvez vous retrouver comme le gestionnaire où vous dites c'est tel type de clientèle, mais 5 ans plus tard, tout ça peut changer pour différentes décisions. Mais le problème, c'est que les places de stationnement ne vont pas réapparaître dans 5 ans. Alors, d'une certaine manière, quand on bâtit un édifice comme celui-là, on ne peut pas malheureusement se mettre à modifier le nombre de places de stationnement selon la clientèle, parce qu'éventuellement, ça peut aussi être revendu le bâtiment. Puis la preuve, c'est que Chartwell, le bâtiment, il a été transféré dans la dernière année. Alors, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Non, mais il y a un transfert de propriété, là. Ça, j'en suis bien certain, là. C'est le transfert de propriété, autrement dit, pour lequel Chartwell est opérateur. Oui, c'est ça, exactement. Chartwell est passé propriétaire, pour lequel nous, on demeure propriétaire aussi de ce projet-là. Exactement, mais il y a une transaction immobilière, là. Mais ce que je veux dire, c'est opérateur de résidence pour retraité à opérateur de résidence pour retraité, là, juste pour pas mêler les cartes. Je ne vous obstine pas sur cette interprétation-là. Ce que je veux vous dire, c'est que rien ne nous garantit que dans les 30, 40, 50 prochaines années, ça va être le cas aussi. Là. Il peut y avoir des changements de propriété. Là. Merci. Pour le 17-11 montée majeure, il s'agit d'autoriser dans le but de permettre l'aménagement d'un second logement de type bachelor. Que le pourcentage de la superficie du sous-sol du bachelor, soit de 78% au lieu de 60%. Que la superficie de plancher du logement principal soit de 139,5 m² alors que le règlement prévoit 160 m², un minimum. Qu'aucun espace de stationnement ne soit exigé alors que le règlement 1001 prévoit qu'un espace est requis. Que l'entrée du bachelor soit commune avec le logement principal, alors que le règlement prévoit qu'elle soit indépendante vers l'extérieur. Est-ce qu'il y a des objections dans la salle? Non?
Pour le 713 rue du Rubis, il s'agit d'autoriser dans le but de régulariser l'usage d'uniplex d'une habitation unifamiliale. La superficie du terrain est à 575,8 m², alors que le règlement 1001 prévoit un minimum de 600 m². Est-ce qu'il y a des objections dans la salle? Pour l'avenue de la Croisée, les lots 5 573 224, 225 et 226, il s'agit d'autoriser dans le but de permettre le concept d'affichage d'installation d'enseignes à poser ou peintes directement sur le bâtiment temporaire destiné à la prévente ou location d'un projet de construction, alors que le règlement 1001 prévoit interdit l'affichage sur ce type de bâtiment temporaire. Des objections? Non. Pour le 10 551 boulevard Laurier, il s'agit d'autoriser dans le but de permettre le projet de construction, de transformation et d'affichage, la réduction de l'aire d'isolement autour de 3 bâtiments à 0 m, alors que le règlement 1001 prévoit une aire d'isolement minimale à 2 m. L'augmentation du nombre d'enseignes autorisées à 3 sur le bâtiment lié à une station-service, alors que le règlement 1001 prévoit un maximum d'une seule enseigne. Et l'augmentation de la superficie d'affichage sur un bâtiment lié à une station-service à 7,3 m², alors que le règlement 1001 prévoit une superficie maximale de 3 m². Est-ce qu'il y a des objections dans la salle? Non. Pour le 1000 montée des pionniers, il s'agit d'autoriser pour un projet d'affichage l'augmentation de la superficie maximale d'affichage sur le bâtiment d'une station-service à 5,4 m², alors que le règlement 1001 prévoit une superficie maximale de 3 m² et l'augmentation du nombre d'enseignes autorisées sur le bâtiment d'une station-service à 2, alors que le règlement prévoit un maximum d'une seule enseigne. Est-ce qu'il y a des objections dans la salle? Non. Alors, proposé par M. Réal Leclerc, secondé par Danny Saint-Pierre. Maintenant, 8.2. Alors que le Conseil de la Ville de Terrebonne, pour les règlements concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donne suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 10 et du 31 mai 2018 et adopte à l'égard de chacune d'elles les recommandations de PIA énumérées et énoncées au point 1 à 24 de la présente résolution et dont le Conseil a pris connaissance. Alors, proposé par M. Réal Leclerc, secondé par Brigitte Villeneuve. Le point 8.3 est remis à une prochaine séance, 8.4. Le 9 juillet. Le point 8.4, que le règlement modifiant le règlement du zonage 1001 afin d'agrandir la zone 9962-23, qui autorise les classes d'usage multifamilial 3 logements classés à même la zone 9962-13 sur le chemin Saint-Charles, soit adopté sous le numéro 1001-278, et le projet de règlement a été présenté et copie a été remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 23 avril 2018. Proposé par Réal Leclerc, secondé par Serge Gagnon. 8.5. Que le règlement modifie le règlement du zonage 1001 afin d'autoriser l'usage d'entreposage mini-entrepôt dans la zone 9360-77 sur la rue Anderson, soit adopté sous le numéro 1001-279. Le projet de règlement a déjà été présenté. Copie a été remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 23 avril 2018. Proposé par Réal Leclerc, secondé par Danny Saint-Pierre. 8.6, que le règlement modifiant le règlement du zonage 1001 afin d'autoriser les classes d'usage industriel C, E, F, I et J et commercial I dans la zone 9966-67 sur la rue Nancy, et qu'il soit adopté sous le numéro 1001-280. Le projet de règlement a été présenté. Copie du projet aura été remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 23 avril 2018. Proposé par Réal Leclerc, secondé par Éric Fortin. 8.7, que le règlement modifiant le règlement du zonage 1001 afin d'autoriser la classe d'usage multifamilial 3 logements classés dans la zone 9462-70 sur le boulevard de Terrebonne, soit adopté sous le numéro 1001-281 et que le projet de règlement a été présenté, copie, remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 23 avril 2018. Proposé par André Fontaine, secondé par Réal Leclerc. 8.8.
8.8, que le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet du règlement 1001-286, modifiant le règlement du zonage 1001 afin de réviser les dispositions applicables à l'usage maison pour personnes en difficulté dans la zone 92-63-65, et que le Conseil fixe l'Assemblée publique de consultation au 4 juillet à 17h à la salle des séances du Conseil et qu'un avis soit publié à cet effet. Que le conseiller Réal Leclerc soit désigné pour entendre les personnes désirant s'exprimer lors de cette assemblée de consultation. Alors, proposé par Simon Paquin, secondé par Nathalie Ricard. Veuillez prendre note que la consultation soit pour entendre les citoyens aura lieu donc le 4 juillet prochain. Donc, tout simplement, là, les gens qui sont intéressés à s'exprimer sur le sujet là, soient disponibles là, pour le 4 juillet prochain. Je vais donner un avis de motion par M. Simon Paquin. Et présentation du projet pour adoption de prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du premier projet de règlement 1001-286 modifiant le règlement du zonage 1001 afin de réviser les dispositions applicables à l'usage maison pour personnes en difficulté dans la zone 92-63-65 et copie du projet de règlement remise aux membres du conseil présents. Alors, l'avis de motion est donné par Simon Paquin. 8.10, que le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet de règlement numéro 1001-287, modifiant le règlement de zonage 1001 afin de réviser les marges latérales applicables aux fermettes, que l'Assemblée publique de consultation se tienne le 4 juillet à 17h à la salle des séances du Conseil et que M. Réal Leclerc soit désigné pour entendre les personnes désirant s'exprimer lors de l'Assemblée de consultation. Alors, proposé par Réal Leclerc, secondé par Brigitte Villeneuve. Alors, les données d'avis de motion, le fait de présenter une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, règlement 1001-287, modifiant le règlement du zonage 1001 afin de réviser la marge latérale applicable aux fermettes. Copie du projet de règlement est remise aux membres du conseil présent. Avis de motion donné par Réal Leclerc. Que le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet de règlement 1001-288, modifiant le règlement du zonage 1001 afin de réviser les dispositions applicables aux véhicules récréatifs. Que la séance publique de consultation soit fixée au 4 juillet à 17h dans la salle des séances du Conseil et qu'un avis à cet effet soit publié et que le conseiller Réal Leclerc soit désigné pour entendre les personnes désirant s'exprimer lors de cette assemblée de consultation. Proposé par Réal Leclerc, secondé par Danny Saint-Pierre. Alors, 4 juillet, une autre séance de consultation, cette fois-ci sur les véhicules récréatifs. Alors, un avis de motion et de présentation d'un règlement, une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire pour le règlement 1001-288, modifiant le règlement du zonage 1001, afin de réviser les dispositions applicables aux véhicules récréatifs et copie du projet remis aux membres du conseil présent. Avis de motion donné par Réal Leclerc. Que le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte le projet de règlement numéro 1009-001, modifiant le règlement numéro 1009 afin d'effectuer divers ajustements de cohérence et de corriger des erreurs d'impression ou d'insertion intervenues alors que la Ville a remplacé l'ensemble de ses règlements d'urbanisme pour le secteur Bonova par le règlement 1009, que la séance de consultation soit fixée au 4 juillet à 17h et qu'un avis à cet effet soit publié, et que le conseiller M. Réal Leclerc soit désigné pour entendre les personnes désirant s'exprimer lors de l'assemblée de consultation. Proposé par Réal Leclerc, secondé par Serge Gagnon. 8.15 est remis. 8.16. Le point 8.16, que le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet du règlement 1001-277, modifiant le règlement du zonage 1001, afin de réviser certaines dispositions, que la séance de consultation publique soit fixée au 4 juillet à 17h et qu'un avis à cet effet soit publié, que M. Réal Leclerc soit désigné pour entendre les personnes désirant s'exprimer lors de l'assemblée de consultation. Proposé par Réal Leclerc, secondé par Danny Saint-Pierre. 8.17 est remis à une prochaine rencontre, donc 8.18. Alors que le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 2497 chemin Saint-Charles, considérant que le requérant a rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de la Ville. Proposé par Réal Leclerc, secondé par Danny Saint-Pierre. 9.1. Que le Conseil de la Ville de Terrebonne reconnaisse pour un an, soit du 18 juin 2018 au 17 juin 2019, les organismes suivants à titre de partenaires
de l'action communautaire sur le territoire de la municipalité, à savoir le Gala du Griffon d'Or, l'Association du hockey mineur de la Plaine, le Club d'aviron Terrebonne, GEPAT, Troupe Création Danse Incorporée, les Magiciens de la Pétanque des Moulins, la Ligue des Sacs de Sable de Terrebonne, le Service d'aide SEDAITSS, la Lueur du Phare de Lanaudière, la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lanaudière, le pas de 2, Club Optimiste de Terrebonne Inc., Association générale des étudiants aînés de l'Université de Sherbrooke, Association des artistes en arts visuels de Terrebonne, le Club de tennis de Terrebonne, le Club d'ornithologie de la région des Moulins, Club photo de Terrebonne, la Garde de la Chenet Inc., Société d'histoire de la région de Terrebonne, et en vertu de cette reconnaissance, les organismes pourront bénéficier des services prévus dans les politiques de soutien à la vie associative et qu'un certificat soit émis à cet effet. Alors, proposé par Simon Paquin, secondé par Brigitte Villeneuve. Suivant la recommandation du comité exécutif, du 6 juin 2018, le Conseil autorise le versement d'une subvention aux organismes suivants, à savoir Dianova, 4 000 $ pour la rénovation de salles de bain et du centre de remplacement du déclin, des toitures et des portes et des fenêtres, Dianova pour le remplacement des bancs de parc extérieur 412, Club de gymnastique Via Gym pour l'achat d'équipements et gymnastique et de trampoline 2 000 $, Association du hockey mineur de la Chenet pour l'achat de chandail 2 000, Les Amis de l'amateur pour l'achat d'ordinateurs 1 397 $, Mouvement organisé des maires solidaires, MOMS, achat d'équipements informatiques 799 $, Centre d'équitation thérapeutique Equisense pour un spectacle annuel de remise de médailles 421 $, Groupe MC Festival 0, Société d'histoire de la région de Terrebonne, les arts à la trace 704 $, Société d'histoire de la région de Terrebonne aux armes 1 381 $ et la Société d'histoire de la région de Terrebonne au feu 3 660 $ pour un total de 16 774 $. Alors, c'est proposé par Éric Fortin et secondé par Caroline Desbiens. Entendu la création du poste de directeur général adjoint développement durable à la direction générale et la recommandation du comité exécutif du 13 juin 2018 que le conseil de la ville de Terrebonne nomme M. Stéphane Larrivé au poste de directeur général adjoint développement durable à la direction générale à compter du 19 juin 2018, le tout selon les modalités et conditions du dit projet de contrat. Donc, copie adjointe à la présente pour en faire partie intégrante. Alors, proposé par Yann Maisonneuve, secondé par Nathalie Bellavance. Simplement vous indiquer, vous savez que dans la présentation budgétaire, là, en début d'année, il y avait eu l'annonce de la création d'un deuxième poste de direction générale adjoint. Ville de Terrebonne, il y a un directeur général et un directeur général adjoint. Maintenant, il y en aura deux. Je tiens à vous dire, là, pour une ville comme Terrebonne, d'avoir deux directeurs généraux adjoints, là, c'est pas trop, là. Dans une ville comme Mascouche, il y en a déjà deux, puis une ville comme Laval, il y en a sept. Alors, c'est pour vous dire, là, qu'on voulait avoir vraiment un secteur, là, au niveau urbanisme, développement durable, mais aussi au niveau du génie. Tout l'enjeu du développement de la ville, là, qu'il y ait une direction générale adjointe qui soit affectée à ce dossier-là, notamment pour la coordination entre les directions, mais aussi dans l'optique là, de regrouper là, tout l'enjeu des gestions de projet au niveau de la direction générale. C'était important, puis c'était des recommandations qui étaient dans le rapport de l'École nationale d'administration publique. Alors, ça avait été budgété en début d'année. Le processus s'est donc terminé. Et donc, il y a eu sélection de M. Larrivé, donc, qui est un employé de la ville, de la direction du génie, qui devient aujourd'hui donc directeur général adjoint pour ce secteur. Point 10.2. Attendu le départ imminent à la retraite du directeur de l'incendie, M. Jacques Bérubé. Attendu la recommandation du comité exécutif du 13 juin 2018 que le conseil de la ville de Terrebonne nomme donc M. Sylvain Dufresne à titre de directeur de l'incendie à compter du 13 août 2018 et que son salaire soit fixé à l'échelon 7 de la classe 12 de tout conformément aux règles de classification en vigueur. Alors, proposé par Nathalie Bellavance, secondé par Yann Maisonneuve. Alors, donc, l'embauche d'un nouveau directeur du service d'incendie.
qui va arriver parmi nous là, au cours des prochaines semaines. Ce qui me permet de aussi souligner plusieurs postes là, sont pourvus au niveau de la direction. Je tiens à vous dire qu'il y a eu un certain nombre de changements dans les derniers mois au niveau du processus d'embauche au niveau des cadres de la ville de Terrebonne. Je tiens quand même à souligner que dorénavant, tous les postes de cadres à la ville de Terrebonne qui doivent être pourvus font l'objet d'un appel interne et externe en même temps. Alors, dorénavant, il n'y a plus de chasse gardée, il n'y a plus quelqu'un qui a un siège déjà réservé pour lui. Chaque poste doit être ouvert, interne, externe. Lorsqu'il y a des candidats de l'interne qui postulent, il y a automatiquement une firme externe au niveau de la gestion des ressources humaines qui fait une analyse des candidatures et qui formule des recommandations pour l'exécutif pour s'assurer que ce soit un processus transparent, intègre. Et je peux vous dire une chose, on appuie notre direction générale puis notre directeur général parce qu'on sait que ça fait des changements. On n'a pas connu ça à la ville de Terrebonne dans les 20 dernières années, des processus qui étaient systématiquement internes, externes. Alors là, la formule, elle revient, elle est là continuellement. Puis je tiens à vous dire que c'est la direction qu'on prend comme nouvelle administration. Puis je tiens à vous dire aux citoyens, je pense que vous allez être confortable aussi avec cette vision-là d'être ouvert, d'accueillir puis de soutenir, oui, nos employés à l'interne qui grandissent dans l'organisation, mais ne pas gêner dans certaines occasions aussi d'avoir un meilleur candidat qui vient de l'externe et qui va venir enrichir notre organisation. Et on l'a vu dans ce cas-ci au niveau des incendies, mais on l'a vu dans d'autres postes récemment au niveau de la direction des communications. Et je pense que c'est une orientation qu'on va maintenir au cours des prochaines années. Alors, je profite de l'occasion là, pour le souligner en termes de changement dans la gestion, mais l'embauche des postes de direction de la ville de Terrebonne. Donc, voilà. 10.3. Alors, 10.3, merci, M. le maire. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 13 juin 2018, le conseil municipal autorise la réorganisation de la direction du loisir et vie communautaire, et ce, en réduisant le nombre de services de 5 à 4, en fusionnant le service d'administration et logistique et le service de l'entretien ménager, du soutien aux activités et projets spéciaux qui deviendra le service administration et soutien organisationnel et sera sous la responsabilité directe du directeur du loisir et de la vie communautaire. Le poste de directeur adjoint aura sous sa responsabilité le service de l'animation, le service des arts, culture et bibliothèque et le service du soutien à la vie associative, ce qui permettra une meilleure vision d'ensemble et assurera la cohérence de l'offre municipale de loisirs, l'abolition du poste de service d'entretien ménager, soutien aux activités et projets spéciaux et la création du poste de chef de service administration et soutien organisationnel, l'abolition du poste de chef de service administration et logistique et création du poste de coordonnateur administration et contrôle budgétaire, l'abolition du poste de coordonnateur administration et service à la clientèle et la création du poste de coordonnateur service à la clientèle, la création d'un poste de coordonnateur entretien ménager et soutien aux activités qui relèvera du chef de service administration et soutien organisationnel, que le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte le nouvel organigramme de la Direction du loisir et vie communautaire, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que la Direction des ressources humaines soit autorisée à mettre en place les changements requis, à savoir la réévaluation de fonctions, changement de titre, évaluation de nouvelles fonctions, recommandations éventuelles au comité exécutif, recrutement et dotation, que la nouvelle structure soit effective en date d'adoption de la présente résolution. Alors, proposé par Brigitte Villeneuve, secondé par Éric Fortin, tous ces changements, je tiens à le préciser, se sont faits à coût nul. Il y a des remplacements des postes, là. Alors, ce qui vous a été dit en bout de ligne, là, ça s'est fait à coût nul. Point 11.1, que le Conseil de la Ville de Terrebonne, suivant la recommandation du comité exécutif, portant le numéro CE 2018-695-REC, autorise l'installation de la signalisation routière suivante, à savoir celle qui est mentionnée au point 1 à 13 de la présente résolution et dont le Conseil a pris connaissance. Alors, proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. Alors, il n'y a pas d'affaires nouvelles avant qu'on aille aux périodes de questions. Vous savez que la prochaine séance du Conseil va avoir lieu au Parc Saint-Sacrement, donc le 1126 rue Gédéon M. Prévost. En cas de pluie, ça aura lieu plus tôt, ici même, là, dans l'édifice Louis Lepage. Alors maintenant, les prises de parole par les membres du Conseil, dans un premier temps, donc M. Éric Fortin. Alors la parole est à vous.
Merci, M. le maire. Tout simplement, vous mentionnez que le 6 juin dernier a débuté la saison de la série de vélos de montagne, les mercredis de Terrebonne. Il y a eu plus de 246 cyclistes qui ont pris le départ. Donc, c'est une belle saison en vue et c'est une série de 10 courses. Il y a une nouveauté cette année, ce qui est possible de s'inscrire en ligne. Ceci permettra évidemment d'accélérer le processus d'inscription. Donc, je vous invite à consulter le site du GEPAT. Également, au niveau du GEPAT, le 30 juin prochain aura lieu la deuxième édition de Plein air en fête. Donc, c'est un nouvel événement estival. Le GEPAT revient cette année avec un bel événement familial, plusieurs activités au menu. Descente de rivière à partir de Bois des Filions, tir à l'arc, mur d'escalade et plusieurs autres. Donc, encore une fois, allez consulter le site du GEPAT pour plus d'informations. Et en terminant, le 14 juin dernier, malgré une météo incertaine, avait lieu au parc Corbeil, l'événement de la tournée Célébration avec l'Impact de Montréal. Donc, cette activité-là était organisée par le club de soccer de Bois des Filions, qui en fait inclut les citoyens de l'ouest de Terrebonne. Donc, c'est important de le préciser. Donc, merci à l'Impact de Montréal et ses joueurs de s'impliquer auprès de nos jeunes et de les encourager à la pratique de ce sport. Merci au président du club, M. Stéphane Bonneville, et toute l'organisation pour ce magnifique rassemblement. Et j'ai été accompagné pour l'occasion du maire de Bois-des-Filions, M. Gilles Blanchette, ainsi que les conseillers Gilbert Guérette et Benoît Latour. Donc, ils remercient la ville de Terrebonne d'avoir permis cette organisation-là. Donc, c'est tout. Merci. Merci. Alors, M. Réal Leclerc. Allô? Allô? Bonsoir. J'ai le plaisir de vous annoncer que la ville de Terrebonne retrouve un siège au sein du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Comme dixième plus grande ville au Québec, quatrième au sein de la CMM, Comité métropolitain de Montréal, il était légitime de retrouver ce poste d'importance qui nous permettra de faire avancer nos dossiers. Malheureusement, au cours des dernières années, et nous comprenons pourquoi, ce poste nous fut retiré. Or, sous l'impulsion d'un nouveau conseil, d'une nouvelle administration et d'un nouveau conseil, nous avons su retrouver la confiance de nos collègues de l'UMQ. La décision fut entérinée dans le cadre de l'Assemblée générale extraordinaire des membres de l'UMQ le 18 mai dernier, où j'ai eu le plaisir de représenter la ville de Terrebonne. Je suis donc fier aujourd'hui de faire partie d'une administration intègre qui s'est développée de bons liens avec les autres villes au Québec et qui est en mesure de faire valoir ses points. Et c'est M. le maire qui fait partie de l'UMQ maintenant. Bonne soirée là-dessus. Merci, M. Leclerc. Important de souligner que c'est un siège enchâssé dans la Constitution de l'Union des municipalités du Québec, ce qui veut donc dire que le siège va appartenir à tous mes successeurs. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle que la ville de Terrebonne retrouve sa place pleine et entière à l'Union des municipalités du Québec. Alors, prochain intervenant, M. André Fontaine. Oui. Qui c'est qui va fermer son micro? Attends-moi. Beauté. Ah, il fonctionne, lui. C'est bien. Bien, merci, M. le maire. Je vais tenter deux sujets que je vais tenter de faire en une minute. Alors, je sais que M. Leclerc a déjà pris la parole sur le processus de consultation publique pour la revitalisation du secteur du Vieux-Terrebonne, mais je tenais à ajouter que les gens du quartier que je représente ont beaucoup apprécié le processus qui leur a permis de s'exprimer sur l'avenir de leur quartier. Et en ce sens, ben, je voulais remercier l'administration actuelle d'avoir permis la poursuite de cette consultation. J'avoue que j'étais pas vraiment inquiet, étant donné que vous l'aviez déjà inscrit dans votre programme et que c'est l'une des premières choses dont vous m'avez parlé après votre élection du 5 novembre dernier. Tout de même, vous et vos collègues avez reconnu l'importance de cette démarche. Et comme vous me l'avez si bien dit, M. le maire, le Vieux-Terrebonne a le potentiel de rayonner à travers la grande région métropolitaine et doit faire la fierté de l'ensemble des citoyens de la grande ville de Terrebonne. Évidemment, les résidents comme les commerçants fondent beaucoup d'espoir dans l'avenir de leur quartier. J'espère maintenant, pour la suite des choses, pouvoir travailler en collaboration avec vous et avec certains de vos collègues qui se sentiront interpellés par ce grand projet.
Mon deuxième sujet concerne l'inauguration d'un jardin communautaire dans le Vieux-Terrebonne. Eh oui, après 4 années d'attente par certains résidents de voir se réaliser l'aménagement d'un jardin communautaire, voilà que ce printemps, des citoyens rassemblés sous la bannière du mouvement coopératif La Ruche s'entendent avec un propriétaire qui leur a offert gratuitement d'utiliser un terrain situé au cœur du quartier afin d'y aménager une 20aine de jardinets qui porteront le nom de Jardin citoyen du Vieux-Terrebonne et qui ont été inaugurés avec grande joie cette fin de semaine. Je tiens à féliciter M. François Lavoie, responsable du mouvement coopératif La Ruche, ainsi que tous ses acolytes, dont Élisabeth Langlois, Martin Aubertin, qui sont présents ce soir, pour cette belle réussite. Et je veux remercier aussi M. Philippe Lemieux pour son autorisation afin d'utiliser un de ses terrains à cette fin. Tous ensemble, vous êtes la preuve que ce quartier est toujours bien dynamique et qu'il est habité par des gens soucieux d'en améliorer la qualité de vie. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. Merci. Alors, notre dernière intervenante, Mme Nathalie Lepage. Bonsoir. Samedi, le 9 juin dernier, j'ai eu le plaisir de participer à la fête de la pêche au parc Les Berges Aristide Laurier à La Chenée. Organisée par les Chevaliers de Colomb, cette 22e édition fut un franc succès. Les amateurs de pêche, petits et grands, ont pu taquiner le poisson dans un bassin spécialement aménagé pour l'occasion et repartir à la maison avec leur prise. Une canne à pêche ainsi qu'un permis de pêche furent remis aux 250 premiers pêcheurs en herbe de 16 à 17 ans inscrits à l'événement. Des tours de ponton ainsi que des cours de montage de mouches ont fait partie des activités proposées. Cette fête fut également l'occasion pour la ville de Terrebonne d'inaugurer le tout nouveau quai qui plaira sans aucun doute aux amateurs de petites embarcations de plaisance. Un gros merci à tous les bénévoles et partenaires qui ont fait de cet événement une réussite. Je vous invite à aller découvrir et redécouvrir ce très beau parc situé juste à côté de la bibliothèque de La Chenée. Merci. Merci. Alors, au niveau des présidents de commission, alors, Mme Caroline Desbiens, au niveau de la culture. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à tous. Jeudi dernier avait lieu la première médiatique version tapis rouge de la pièce de théâtre Pierre-Jean-Jacques, qui prendra place dans notre beau TVT tout l'été. J'avoue que ce trio, Martin Drainville, Luc Guérin et Benoît Brière, ne manque réellement pas d'inspiration et de passion, pour toujours nous dénicher des pièces à succès auxquelles ils nous interprètent avec tant d'énergie et nous transmettent à tout coup leur plaisir de jouer. Je vous assure du rire et un réel moment de plaisir. Merci à Louise Martin, directrice générale du TVT, et à toute sa belle équipe pour nous offrir une programmation qui fera rougir le soleil cet été. Je vous invite à consulter leur onglet « Programmation » pour être à l'affût de tous les événements du TVT pour cet été. Parce que si j'aurais tout énuméré, je pense qu'on n'aurait pas fini. Vendredi soir dernier avait lieu un coloré vernissage sur l'île des Moulins, Ardoise et Terrebonne en art, où lui, la passion de l'art visuel. Oui, avec notre précieux maire Marc-André Plante, j'ai eu le plaisir de découvrir des talents extraordinaires des artistes des artistes qui se sont découverts une passion à travers la peinture, la sculpture et le vitrail. Vraiment, j'ai été estomaquée, quelle quantité d'artistes qui ne sont pas des artistes professionnels. C'était vraiment de toute beauté de voir cette passion qui a été transmise par les professeurs. Et puis, je tiens vraiment à féliciter la ville parce que ça fait au-dessus de 25 ans qu'on offre ce service-là à la ville, puis c'était vraiment beau de les voir rayonner. Et tout le week-end, il y avait aussi, le symposium, des artistes en art visuel, de l'Association des artistes en art visuel de Terrebonne, dont j'en suis un des membres fondateurs. C'était vraiment merveilleux. Je pense que je vais couper là. C'est bon, merci. Ta minute est faite. J'en avais beaucoup, là, mais
Salutations à tous. Oui, exactement. Merci. Alors, notre dernier intervenant, à la famille, M. Simon Paquin. Merci, M. le maire. J'aimerais, dans un premier temps, souligner l'exploit qui a été réalisé pour la 10e édition du Relais pour la vie de Terrebonne-Mascouche de la Société canadienne du cancer, qui avait lieu le 8 juin dernier et qui a amassé la somme record, et ce, dans toute l'histoire des relais au Québec, soit plus de 601 000 $. Le Relais pour la vie, avec ce montant, est une fois de plus le relais le plus lucratif au Québec, et ce, pour une deuxième fois, le plus lucratif au Canada parmi 500 événements relais. C'est tout de même remarquable de voir la mobilisation de la population et des gens d'affaires qui ont amassé pour, depuis 10 ans maintenant, plus de 4,4 millions de $ en sol moulinois. Félicitations aux marcheurs, bénévoles, donateurs et surtout au comité organisateur pour l'énergie qu'ils ont mis pour réaliser cet exploit, et j'en sais quelque chose. Merci d'ailleurs à l'ensemble des membres du conseil qui ont participé à l'événement qui avait lieu à l'île des Moulins il y a 2 semaines déjà. J'ai assisté aussi la semaine dernière à la 25e Assemblée générale annuelle de la Popote roulante des Moulins. Je tiens à souligner le travail des bénévoles qui ont fait plus de 2800 heures et parcouru 9707 km pour livrer plus de 23 000 repas. Il faut dire que l'âge moyen des utilisateurs est de 73 ans. Et c'est beau de voir aussi un organisme qui a plein de projets, c'est le cas de la Popote roulante, qui a comme projet d'augmenter le nombre de repas livrés à sa clientèle, d'améliorer la qualité alimentaire. Et ils veulent d'ailleurs mettre en œuvre un projet d'étiquetage alimentaire de leurs plats pour que les gens puissent savoir les valeurs nutritives qui se retrouvent dans les plats qui leur sont servis. Alors, félicitations bien sûr aux membres du conseil d'administration et aux bénévoles pour leur contribution à notre tissu social. Et en terminant, j'ai assisté jeudi et vendredi dernier au 30e colloque du Carrefour Action municipale et famille, que vous connaissez peut-être, Monsieur le maire, sous le thème du 30 ans d'engagement tourné vers l'avenir qui avait lieu à Montréal. J'ai eu la chance de rencontrer les responsables des dossiers famille de plusieurs autres villes au Québec et d'échanger avec eux sur comment on peut faire mieux pour répondre aux besoins des familles de notre ville. J'ai eu la chance aussi d'assister à 2 ateliers, soit à Hauteur d'enfant et une sur l'immigration, vivre ensemble. Alors, des ateliers fort intéressants qui nous permettront de que je ferai rapport, bien sûr, aux membres de la commission de la famille. Et d'ailleurs, j'ai été élu administrateur du conseil d'administration du Carrefour pour représenter les villes de 100 000 et plus de population. Et je rappelle, en terminant, que la population est invitée. Il est toujours temps de déposer votre candidature pour le gala des maçons. Je vous invite à aller consulter le site Internet de la ville de Terrebonne. Vous avez jusqu'au 30 juin. Voilà, M. Bain. Merci, M. Paquin. Félicitations pour votre élection au conseil d'administration. Ce qui me permet donc, avant la période de questions aux citoyens, quelques suivis de la dernière séance du conseil municipal. Quelques suivis à des questions. Dans un premier temps, le 4 juin, M. Régent Rioux du 459 rue Audiana a posé quelques questions dont j'ai des suivis. Les citoyens mentionnent qu'il y a beaucoup de transit effectué sur la rue Audiana et que les automobilistes conduisent vite. Après des vérifications auprès du service de police de la ville de Terrebonne, la surveillance policière sur la rue Audiana, je tiens à souligner qu'il y a eu 10 opérations de surveillance effectuées entre le 8 et le 28 mai pour un total de 150 minutes de surveillance. Suite à ces opérations, 6 constats ont été émis pour des arrêts obligatoires. Les 8 juin, 16 mai, 2 fois 16 et le 6 avril à 4 reprises. Alors non, c'est parce qu'on soulignait à la dernière séance qu'il n'y avait jamais de police qui allait sur cette rue-là. Alors, on a tout le décompte là, entre le 8 et le 28 mai. Il y a une demande pour l'installation de mesures de modération sur la rue Populaire et Audiana qui a été soumise au comité de circulation par notre conseillère du quartier, Mme Caroline Desbiens, qui fait un suivi hebdomadaire de ce dossier-là. Il y avait notamment un panneau d'arrêt qui avait été brisé, donc qui était court, là, donc on avait mis celui de remplacement. Je tiens à souligner que le 14 mai dernier, donc avant la séance du 4 juin, là, celui-ci avait été installé là, à l'endroit requis par le service de la voirie. Donc voilà. À la dernière séance, ça m'arrive pas souvent, là, mais les gens en ont, puis je pense qu'il y en a certains qui ont douté. Est-ce que le maire a raison ou il a tort? Je vais souligner que creuser dans le sol, on ne pouvait pas faire ça en période hivernale. J'avais vraiment dit ça, puis il y a des gens qui m'ont cru. Hein? Puis même le directeur général a douté en se disant, ouais, c'est peut-être vrai. La réponse, c'est
Faux. On peut creuser 12 mois par année. En fait, l'information qui m'avait été mal transmise, c'est que la machine de l'administration municipale, donc des travaux publics qui creusent les fameux 10 poteaux, était brisée depuis 3 mois. Donc, maintenant, elle est réparée. Ils ont recommencé, mais il y avait pris un petit peu de retard. Alors, ça m'arrive des fois d'émettre une information qui est erronée. Alors, je tiens à faire amende honorable et à corriger le tir ce soir. Alors, ça arrive. Hein. Et il y avait une autre question aussi du même citoyen concernant le nettoyage des rues complétées là, sur la rue Odiana. Donc, vous savez que les citoyens nous demandent toujours là, notre rue, quand est-ce qu'elle va être nettoyée. Le balai effectue le nettoyage de façon hebdomadaire. Ça prend environ 7 semaines aux équipes d'entretien pour effectuer le nettoyage de l'ensemble des rues du territoire. Quand quand elle vient dans votre rue, elle va revenir 7 semaines plus tard. Elle ne reviendra pas avant. Et là, éventuellement, on va probablement avoir une application à la ville où vous allez pouvoir savoir quand est-ce que la machine va venir dans votre rue. Évidemment, il peut y avoir des petits délais au niveau des journées, parce que je pense que les journées de forte pluie, le balai ne doit pas passer, là, donc il peut y avoir des changements. Mais globalement, pour les citoyens qui s'intéressent au moment où le balai de rue va... Hein? Tu es en train de me dire? Ah, je vais revenir avec ça. Je t'ai après annoncé qu'on allait l'avoir. Mais en tout cas, je sais que les membres du conseil municipal vont connaître, en tout cas, le délai dans quelle rue on va passer. Et éventuellement, notre objectif, c'est que vous ayez l'information. Hein? C'est ça qu'il fallait que je dise. Merci. Alors, puis deuxième question de Mme Valérie Ménard, 3661 rue Gilbert. Vous avez une problématique de vitesse, encore une fois, sur la rue Gilbert. Alors, sa demande a été transmise là, auprès du comité de circulation afin qu'une requête officielle soit créée et traitée par ce comité. Alors, ça, c'était les suivis du 4 juin. Période de questions des citoyens. On arrive, alors veuillez vous lever, s'il vous plaît. Il est 21h27, donc quelque part autour de 22h30, là, heure fixée. Alors, bonsoir. Bonsoir, Hélène Michaud, La Plaine, 2411, Croissant des Jeunes. Lors de la séance, vous avez fait le dépôt concernant les certificats de confirmation pour les règlements numéro 707. J'aimerais savoir, au niveau du logiciel que vous fixez à 1 486 800 $, on se base sur une soumission qui a été faite ou on... C'est une estimation. Évidemment, l'appel de soumission n'a pas été fait. Là. C'est une estimation qu'on a fait avant d'aller en appel de soumission. OK. Et l'estimation, vous la faites à partir de quoi? Bien, je laisserai peut-être le directeur général, mais je tiens à vous dire que c'est toujours le même enjeu qu'on vit à chaque projet. C'est que quand on va en règlement, habituellement, comment ça fonctionne, c'est qu'on a toujours un règlement d'emprunt. Mm-hmm. Alors, il faut estimer des montants de ce que ça pourrait nous coûter pour faire un projet de règlement d'emprunt, avec toute la procédure édictée par le ministère des Affaires municipales. Par la suite, il y a une estimation précise des coûts qui va être fait. Puis je fais la différence entre l'informatique, mais il peut y avoir dans des gérants, au niveau de la gérance de chantier, par exemple, d'une route, il peut y avoir un surveillant de chantier qui n'est pas celui qui va réaliser les travaux, qui va faire une estimation précise. Par exemple, dans le projet Chemin Gascon, quand on arrive à 5 733 000, là, c'est parce qu'il y a eu un estimateur, donc il y a vraiment une firme qui a été mandatée. Puis par la suite, il y a l'appel de soumission, hein, qui est la deuxième étape. Mm-hmm. Et là, on voit le prix réel qui va être payé ou non. Et ça nous permet d'accepter ou non la demande de soumission. Monsieur le directeur général, s'il y a des ajouts. Merci, Monsieur le maire. Alors, Mme Michaud, dans le dossier, pour compléter l'information de Monsieur le maire, dans le dossier qui nous concerne, on a le conseil de ville a embauché un contractuel pour évaluer le logiciel actuel. Pour voir s'il était en fin de vie ou pas. Il est effectivement en fin de vie. C'est un logiciel qui n'est plus supporté. Alors, rapidement, on a opté pour la solution d'une nouvelle solution informatique. Et, c'est un expert. Alors, il a fait des comparables par rapport à des villes comparables. Et ça fonctionne ou en fonction du nombre de transactions informatiques. Là. Alors, il a fait son estimé comme un professionnel le fait. Et c'est ce que M. le maire mentionnait. Donc, dans ce cas-là, on est allé avec vraiment une évaluation spécifique.
Et par la suite, on va aller en appel d'offres pour se doter d'un nouveau logiciel. Donc, vous avez des recommandations d'un contractuel. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui le contractuel? Écoutez, je n'ai pas son nom par cœur. C'est quelqu'un qui est embauché à la fois par la direction des technologies de l'information et par la direction des finances. Ce contractuel-là a fait l'évaluation puis il va assister la direction des finances dans la mise en place du logiciel. C'est quelqu'un qui va être à l'interne. Et juste peut-être pour ajouter, c'est que l'estimation s'est faite aussi, par exemple, une ville qui a choisi le même logiciel. Alors, l'estimation est basée sur des coûts réels qui ont été payés dans différentes villes, puisque ce type de logiciel-là, il n'y en a pas 50 différents. Dans le secteur municipal, il y a un certain nombre de joueurs. Mm-hmm. Et selon l'orientation et ce qui était le plus approprié dans des villes comparables, ça permettait aussi de savoir tel logiciel, pour tant de transactions, ça vaut autant. Donc, l'estimation, elle est basée beaucoup sur ce qui s'est passé dans d'autres municipalités au niveau d'appels d'offres. Et le logiciel en question, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la recommandation? J'ai aucunement le nom. Vous n'avez aucune idée? En fait, il n'y a pas de recommandation. C'est un appel d'offres ouvert avec des critères qui seront inclus au devis. Parfait. Et qui permettront à ce moment-là de sélectionner la meilleure solution informatique. Parfait, merci. Attendez, Mme Bellavance avait peut-être un ajout. Oui. En fait, le montant qui est évalué, c'est pas seulement l'achat du logiciel. Non, c'est l'implantation. C'est l'implantation, le support technique et les employés qui sont associés à ces frais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bon. Parfait. Merci. Vous aviez aussi au point 5.4, comité consultatif d'urbanisme de Terrebonne, il y avait une réduction de membres. Est-ce qu'on peut connaître la raison pourquoi il y a une réduction de membres? Bien, comme vous avez vu dans les précédentes séances du Conseil, il y avait 8 membres et 4 élus. L'un de ces membres, après discussion par les membres du CCU, il a été jugé qu'un membre devait se retirer. Et puisqu'on avait déjà fait un appel de soumission dans les derniers mois et qu'il y avait eu des sélections, on a jugé bon de rester à 7 pour aller jusqu'à la prochaine procédure d'appel de soumission. On n'a pas voulu aller remplacer le 10 membres pour une période de 6 mois, parce que certains sont en renouvellement. Certains avaient des mandats de 2 ans et d'autres d'1 an. On voulait plutôt pourvoir les postes lorsqu'il y aura un prochain appel et non de le faire pour une période de 6 mois. Donc, est-ce que ça change le quorum du comité? Pas du tout. Pas du tout? Parfait. Et vous avez donné des détails concernant le bac de récupération, si je comprends bien, daté du 7 septembre 2017. Est-ce que je comprends que le calcul qui a été fait ne convenait pas pour l'ensemble de la population? Ou si... Non, c'est qu'habituellement, on avait une option d'achat. Quand on a fait les options d'achat pour le bac brun et des bacs bleus, ce n'était pas pour tout le monde. L'entreprise avec qui on avait affaire, parce qu'on est allé chercher un bon prix, on a fait fonctionner en même temps avec la ville de Mascouche pour avoir un volume plus grand, on avait une option pour en acheter en supplément, pour avoir en réserve. Parce que, comme vous le savez, à chaque mois, chaque semaine, il y a des citoyens qui brisent leur bac bleu. Certains veulent avoir plus de bac brun. Vous savez que quelqu'un qui a plus de volume sur son terrain pourrait demander un deuxième bac brun et l'obtenir. Donc, on a voulu avoir en réserve, donc là, je m'en allais dire un peu l'expression anglaise, en stock, un volume. Et puisqu'on avait obtenu un prix qui était très intéressant, qui est le prix équivalent au volume qu'on avait déjà acheté, on a voulu renflouer nos réserves. Il y avait un délai de prescription pour garder le même prix? Oui, exactement. OK. Et dans la réserve, vous avez prévu à peu près combien de bacs? J'en ai aucune idée. Juste pour la salle, c'est que ça a un impact financier sur la ville aussi? Écoutez, je vais essayer de voir si on l'a, puis je vais vous répondre si on l'a sur place. Sinon, il reviendra une prochaine fois. Parfait, merci beaucoup. Okay. Écoutez... Mais je tiens à vous dire, en passant, nos réserves étaient complètement à sec. La raison pourquoi je vous pose la question, c'est que je me souviens que certains citoyens n'avaient pas eu leur petit bac dans leur bac. Non, d'autres se plaignaient qu'ils n'avaient pas eu leur bac. Donc là, je me disais, est-ce que c'est parce que il y avait eu un manque? On a eu des ruptures de stock dans certains endroits. Là, il y a manqué de petits bacs, etc. Mais depuis le 28 mai, là, les gens qui ont des bacs de cuisine, ils commencent à les recevoir. Évidemment, les gens les reçoivent de façon, mais c'est qu'il y a eu une rupture de l'entreprise pendant une courte période. Alors là, c'est en train
train de se corriger là, depuis 2 ou 3 semaines. C'est vraiment pour les bacs de cuisine. Puis il a manqué un petit peu, là, je ne me souviens plus, là, c'est pas des bacs bruns à certains endroits. Là, mais globalement, c'est juste parce qu'il y a eu, c'est l'entreprise, il y a eu des petits manques. Alors, c'est comme, moi je dis toujours à la blague, c'est comme quand on achète 12 pains hot dog puis 12 saucisses, puis à la fin, on finit toujours qu'il reste plus de saucisses que de pains. Là, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est un peu ça qui est arrivé dans les bacs de cuisine. Là. C'est quel gars qui faisait le barbecue au moment. Ouais, il y a quelqu'un qui a mangé, je ne sais pas. Là. Ah, on les a, les quantités? On va pouvoir vous les dire. Là. Alors, vas-y donc, parce que j'ai... Oui, les quantités, vous les avez ici. Donc, des bacs roulants 46 litres, 50, bacs roulants 80 litres, 100, bacs roulants 240 litres, 500, bacs roulants bleus 360 litres, 500, bacs roulants gris 240 litres, 100, bacs roulants gris 360 litres, 500 et mini-bacs de cuisine pour les matières organiques 500, ce qui fait le total de bacs supplémentaires 91 000 $. C'est un petit fonds de roulement là, qui n'est pas nécessairement... Oui, non, c'est nécessaire, c'est sûr. C'est que ça permet de faire une évaluation aussi de ce roulement de bac-là. Qui... Exact. Je vais émettre... Là, vous avez dépassé vos deux questions. Oui, je vais vous émettre un des commentaires parce qu'il y a quelqu'un qui m'a mis au défi ici dans la salle. Écoutez, monsieur le maire, j'indiquerais que dans votre cabinet, il y a quelqu'un qui n'a pas convenu au code vestimentaire ce soir. Alors, il a été avisé, mais il m'a mis au défi de vous le dire. Donc, je vous en informe. Ah oui, bien, on va couper une journée de salaire. Finition. Bon. On va lui interdire de fumer pendant une semaine. Ça serait incroyable, ça. Ça serait incroyable. Ah. Ça se fait très bien, moi, je l'ai fait. Oui, hein? Bonsoir, monsieur Dame. Bonsoir, monsieur le maire. Et écoutez, moi, c'est le point 6.1, trésorerie. Vous avez donné un complément d'explication à l'énoncé de M. Bouffard. Et pour ma compréhension, écoutez, ça, c'est un emprunt qui a été contracté par l'administration précédente. Ouais. Bien, je donne un exemple. Admettons qu'on a un règlement d'emprunt sur 30 ans. Évidemment, on négocie pas un taux fixe pour 30 ans. Non. Souvent, ça va être peut-être pour 5 ans, 3 ans, peu importe. Et là, cet emprunt-là, qui équivaut à 22 millions, il venait à échéance à ce moment-là. Donc, il fallait le renouveler au taux et à la durée qu'on souhaitait. Bon, c'est bien un emprunt fait par l'administration précédente. Oui, c'est sûr et certain. Bon, alors. Parce que malheureusement, quand on change de conseil, les dettes, ils disparaissent pas. Et voilà. C'est là que je voulais en venir. Cela fait partie du service de la dette. Oui. Maintenant, notre dette est rendue à combien? Écoutez, quand il va y avoir dépôt, on le fait une fois par année, là, avec la commission, ça va être refait, la commission des finances. Mais généralement, on va le faire pour l'étude budgétaire qui s'en vient, mais quelque part en octobre, d'accord, on est capable de faire un état là, où on est rendu à ce moment-ci. Et ce que je dois vous dire, c'est comme vous le savez, il va y avoir un processus consultatif, comme je l'ai annoncé précédemment. Et en octobre, il va y avoir une présentation donc budgétaire, comme on a vécu avec échange et discussion. Puis à ce moment-là, quand on fait une présentation budgétaire, il faut faire l'état de nos dettes. Vous savez que c'était des questions qui nous préoccupaient l'an passé. Ben oui, puis moi aussi, ça me préoccupe. Hein? Voilà. Maintenant, le taux d'intérêt, il est rendu à combien? Vous allez me le dire, on ne l'a pas dans la résolution. Oui, ça doit changer, là. C'est sûr qu'il est un petit peu plus élevé, puis je dis toujours, c'est un des principaux éléments pourquoi ça nous prenait et ça nous prend une politique de gestion de la dette. Et voilà, et proposition en terminant comme ça, au point 6, au lieu d'appeler ça trésorerie, on peut-tu appeler ça service de la dette? Peut-être parce que ce soir, les deux sujets touchaient la dette, mais... dans la trésorerie, il n'y a pas juste la dette, il y a aussi des dépenses, il y a aussi des revenus, il y a aussi la perception des taxes. Alors, c'est très, 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 très d'accord. Large. Et en terminant, je dois vous féliciter d'avoir fait un nouveau gala du nom des maçons et on met derrière nous le gala du Griffon d'or. Merci. J'ajouterais, sur cet aspect, je tiens aussi à dire qu'on a créé l'Ordre de Terrebonne.
Et ce qui va faire qu'au cours des prochaines années, nous allons aussi reconnaître de grands citoyens terboniens. Et vous savez comme moi que c'est rien de mieux que ce soit le conseil municipal par l'entremise d'un comité qui va reconnaître des grands citoyens. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui, au cours des dernières années, qui parfois nous ont quittés ou certains arrivent peut-être un peu plus près et pour lesquels il serait peut-être temps que la ville de Terrebonne les reconnaisse une fois pour toutes et que ce soit enchâssé dans notre histoire puis qu'on reconnaisse ces citoyens-là. Alors, l'Ordre de Terrebonne aussi va nous permettre cette année et très bientôt, vous pourrez connaître s'il y aura un ou deux ou une candidature, on verra pour cette année. Mais je tiens à vous dire que l'Ordre de Terrebonne, on y tenait et ça faisait plusieurs années qu'on en discutait. Et là, maintenant, on met en application l'Ordre de Terrebonne est maintenant créé. Voilà. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, monsieur le maire, ainsi que les fonctionnaires de la ville de Terrebonne, Janine Cossette, 1420, rue Forget, sur l'île Saint-Jean. Alors, moi, je voulais vous remercier d'avoir amélioré la période de questions, la première période de questions. Elle est beaucoup moins longue et c'est pas mal meilleur pour nous qui sommes dans la salle et qui avons à écouter les gens qui, parfois, ne sont pas vraiment des questions. Alors, merci de l'avoir amélioré. Deuxième chose, je voulais vous informer que les chiens à l'île des Moulins, on a déjà eu ce règlement-là. Et malheureusement, on n'a pas pu le conserver longtemps parce que, comme vous savez, il y a des gens qui ne sont pas respectueux. Alors, au lieu de mettre les pieds dans la merde des bernaches, on mettait les pieds dans la merde des chiens. Et c'est la raison pour laquelle, un mois après, la ville l'a retiré. Ouais. Alors, malheureusement, vous savez, on punit toujours les gens qui sont toujours corrects. Mais c'est un peu la raison. Puis je pense que sur l'île Saint-Jean, pas sur l'île Saint-Jean, mais à l'île des Moulins, je pense qu'il y a assez de monde que les chiens, je pense que c'est normal qu'on ne les accepte pas. Pour moi, c'est mon opinion. Écoutez, Mme Cossette, sachez que dans un premier temps, on n'annonce pas ce soir non, mais vous qu'on avez va pouvoir circuler en laisse à l'île des Moulins. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir... Il va y avoir... Hein? J'ai dit quoi? Les chiens en laisse. Les chiens en laisse. Non, mais il reste, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde. Là, j'ai pogné le faux rire, là, puis je suis parti. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il va y avoir l'étude par la Commission de la sécurité publique. Et je partage votre avis. Ce sera des projets pilotes. Mais surtout, il va y avoir spécifiquement un affichage et probablement, comme on le voit dans beaucoup de parcs américains et aussi en Ontario, on le voit de plus en plus, un affichage avec la surveillance, comme on le voit avec la patrouille environnementale, avec au niveau de l'eau. Je pense qu'on peut amener une sensibilisation, mais je suis d'accord avec vous, il y aura toujours des gens qui ne respecteront pas la réglementation. Mais je pense qu'aujourd'hui, puis on est peut-être rendu là aussi comme conseil, on est ouvert à ouvrir un certain nombre de règlements, parce qu'on est beaucoup dans le limitatif. Hein. On veut toujours réglementer. Chaque fois qu'il y a un problème, on est à limiter les droits des gens. Je pense qu'on peut ouvrir, mais en étant strict sur un certain nombre de points. Puis je pense que M. Saint-Pierre aura à réfléchir. Mais je tiens à vous dire qu'on va y aller par projet pilote. Et il y a peut-être des endroits qui sont plus propices à court terme pour implanter une nouvelle réglementation. Oui. Alors, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter là, non plus. C'est ce que je pense. Il y a des endroits qui sont un peu plus propices pour cette activité. Mais l'île des Moulins, le fait qu'il y a déjà beaucoup de monde et que c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté et le règlement a été fait et il a été retiré par la suite. Alors, c'est une opinion que je vous donne. Faites-en ce que vous voulez. Merci. Merci du conseil. Bonsoir. Pensez-vous que je n'avais pas de questions? Bien, attendez, j'ai tout un dossier, là. Yves Sommeux, 260 Grand Héron. Premièrement, j'aimerais remercier au nom des résidents du domaine du parc le conseil d'avoir adopté le règlement pour les tirs au fusil sur la rivière des Prairies. Enfin, ça fait longtemps, ça faisait 5 ans, 6 ans qu'on a demandé. C'est réglé, alors merci. Pas la dernière réunion, l'avant-dernière réunion, M. Plante, vous sembliez très, très inquiet, je dirais, concernant la transparence de la ville de Terrebonne face aux citoyens.
Vous m'aviez demandé, pour le contrat de service professionnel dans le ruisseau de feu, s'il y avait des documents que je n'avais pas reçus. Je vous avais mentionné oui. Vous m'aviez dit, bien, écrivez-moi les documents manquants, puis je vais vous revenir là-dessus. Je vous ai écrit et je n'ai toujours pas reçu ces documents. Pourquoi? Bon, écoutez, dans un premier temps, je tiens à vous dire que nous-mêmes, on s'informe pour obtenir le maximum d'informations qui sont liées à ce dossier. Je vais tenter ce soir de donner, puis pour les gens qui nous écoutent, le plus grand nombre d'informations. Ce que je me souviens, je tiens à revenir sur votre question, vous nous avez demandé, est-ce qu'on peut avoir l'information quant aux travaux qu'on souhaite mener à l'aménagement qu'on souhaite mener dans le ruisseau de feu, ce qu'on appelle l'aménagement de la traverse et aussi de la tour d'observation. Alors, ce que j'ai compris de l'une de vos questions, c'est que c'était une information que vous n'aviez pas obtenue. Non, ça je l'ai. Vous l'avez, bien c'est ça. Parce que moi, on m'a donné la confirmation que vous l'aviez obtenue, cette information. Ce que je vous ai demandé, c'est l'estimation de la ville de Terrebonne, ouais. L'estimation de la firme OBC P Architecture, le contrat, les avenants au contrat. Et maintenant, le bien livrable. Ce soir, publiquement, on va vous répondre par lettre. Là, l'estimation de la ville de Terrebonne est à 1 760 000. Ça, c'est l'estimation pour les travaux qui ont été réalisés. Il y a eu un appel de soumission qui a été fait récemment dans le projet Ruisseau de feu. Oui. Les soumissions ont été ouvertes il y a donc à peu près 2 semaines. Là. Le dossier a été traité à l'exécutif mercredi dernier. Donc, les membres de l'exécutif ont pris connaissance des différentes soumissions qui ont été déposées mercredi dernier. Première des choses, il y a environ 5 ou 6 entreprises là, qui ont déposé, là, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est 5 ou 6, qui ont déposé une soumission pour faire les travaux. Très prochainement. Les soumissions qui sont sorties à environ 40 à 250 % plus élevées que l'estimation de la ville. Alors, la première décision que la ville de Terrebonne a prise, l'exécutif a pris mercredi dernier, ça a été de refuser toutes les soumissions qui ont été données. Et actuellement, on regarde toutes les options à très court terme pour élargir le calendrier. La bonne nouvelle, c'est que les travaux dans ce secteur-là, étant donné qu'on est en zone, certaines zones sont humides, on nous a confirmé, puis les gens de la ville m'ont confirmé ce matin, que c'était peut-être plus intéressant de les faire dans une période plus fin automne et même en période hivernale, parce qu'on n'est pas dans les enjeux de milieu humide, parce que quand c'est gelé, c'est plus facile de faire les travaux. Et c'est une période où on pourrait obtenir un prix plus proche de celui qu'on veut. Alors, on regarde les options pour repartir dans un deuxième appel de soumission avec un calendrier qui va être un peu plus large. Vous conviendrez que là, on a obtenu des prix qui sont de 40 à 250 %. D'ailleurs, on s'est tout regardé sur le 250 %. On s'est dit, il y en a fumé du bon. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? C'est pas encore légal, mais il a commencé avant. D'après moi, là, pour être 3 millions au-dessus de l'estimation à 1,7 million, là, fallait peser sur le crayon, puis pas à peu près. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est quelles sont les principales raisons, parce que dans les travaux qui sont proposés, on fait appel à beaucoup d'acier. Et là, vous connaissez un peu la problématique actuelle de l'acier. Là. Les prix sont en hausse et très instables, ce qui a probablement amené plusieurs de ces entrepreneurs-là à faire une estimation élevée de l'acier dans le contexte. Mais on est encore convaincu parce que, comme vous le savez, on a obtenu une subvention qui pourrait aller jusqu'à 1,7 million de la communauté métropolitaine de Montréal. La CMM paie jusqu'à, c'est-tu le 2/3 des coûts? Le 2/3 des coûts totaux. Donc, la ville assume 1/3 des coûts, mais la CMM assume les 2/3 jusqu'à concurrence d'1,7 million. Alors, pour l'appel de soumission, il y a une partie qui est 1,7 million, 1,750 pour faire les travaux qui sont estimés, mais il y a aussi des coûts qui sont liés à la surveillance de chantier.
Donc, quand on donne les coûts, là, nous, notre estimation est à 1,750 à peu près, mais il faut ajouter aussi tous les éléments de préparation qui sont faits à l'externe. Et là, je n'ai pas le montant exact, mais évidemment, ça fait croître la facture un petit peu plus que 2 millions. Alors aujourd'hui, la nouvelle que je vous annonce, ce n'est pas que le dossier ne sera pas réalisé à court terme, au contraire, c'est que l'actuel appel de soumission a été refusé par l'exécutif, puis on va repartir en soumission. Puis notre objectif, c'est de respecter le budget qu'on avait en tête et d'avoir une réalisation. Mais cet hiver, vous ne pourrez pas aller vous promener, mais l'été prochain, je pense qu'on est dans le domaine du… L'été, ça ne sera pas déneigé? Hein? De toute façon, ça ne sera pas déneigé, puis elle ne sera pas construite. Donc, elle sera pas construite. Donc, mais cet hiver, donc, mais on garde quand même le cap pour le printemps et l'hiver, là, que ce soit pour le printemps et l'été prochain, que les gens puissent y avoir accès. Mais ce n'était pas ça ma question. Non, mais je vous donne quand même l'information. Oui, c'est correct. Mais ça, vous me parlez des travaux de construction. Oui. Moi, je vous ai parlé des travaux pour les services professionnels. Oui. C'est pas du tout la même chose. 285 000 $ c'est ça? Oui, mais ce que je vous avais demandé, c'est l'estimation détaillée de la ville, que je n'ai pas eu. L'estimation du consultant détaillé, que je n'ai pas eu. Le contrat, que je n'ai pas eu. Les avenants, que je n'ai pas eu. Et les biens livrables non plus. Vas-y. Et je vous avais mentionné que tout ce qui est personnel, que ce soit les qualifications des employés, les salaires, j'en veux pas. C'est pas ça, je voulais. Non. Ah, M. Saumur, M. le maire a eu, en fait, a été informé aujourd'hui des données qui nous ont été soumises hier, c'est-à-dire vendredi, par le directeur M. Léger, que vous avez déjà parlé à une autre séance. Donc, nous avons en main les informations. Je dois donner une directive demain à M. Léger pour préparer le tout. Et vous allez avoir un retour possiblement demain ou après-demain. Ah, parfait. C'est bon? Ça va? Oui, ça va. Deuxième question. Allez-y. Justement, vous parlez de M. Léger. M. Léger avait mentionné, si vous vous souvenez, là, que les services professionnels et les travaux étaient remboursés à 66 %. Et vous, vous aviez mentionné lors d'un comité exécutif que c'était seulement que les travaux, que les services professionnels, études géotechniques, arpentages, et choses-là, c'était à part. Je n'ai pas eu de réponse non plus. J'ai disposé de me revenir là-dessus. Je n'ai pas la réponse là-dessus. Oui. Ça, on va vous revenir et on va vous donner la bonne information. OK. C'est bon. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je mettrai donc un terme à la période de questions ce soir. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur, Simon Paquin, secondé par Yann Maisonneuve, pour mettre un terme à la séance du conseil. Surtout, vous rappelez, prochaine séance du conseil, 9 juillet, c'est un lundi, en plein air, Parc Saint-Sacrement. Amenez vos chaises de camping. On peut s'asseoir quand même, il faut amener vos chaises de camping. Ça commence à 19h30. Si jamais il fait pas beau, on revient ici, puis on met l'air climatisé, tout le monde va être content. Bonne soirée!